Et bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau AEW Pod, toujours en compagnie de JMD, comme tous les dimanches. Alors, JMD, aujourd'hui, c'est sûrement pas 18h30, hein, parce qu'on tourne à 16h. Oui. Voilà, okay, ce ne sera pas 18h30, ce sera soit dimanche soir, soit lundi soir, mais vous le savez, cette semaine Dynamite était samedi. Donc voilà, il y aura finalement même moins d'écart que d'habitude, hein, d'ailleurs, entre le Dynamite et la review. Donc, comment vas-tu cette semaine, JMD? On a eu un week-end chargé, vendredi, samedi, ça s'est enchaîné avec Holy Trust. Ah, c'est clair. Et la semaine prochaine, ça va être encore le même cas. Hein. Donc, j'aime pas du tout lorsque les Dynamites sont sur le samedi matin. Parce que le dimanche, on doit être dans un rush, du coup. Moi, je vais regarder Dynamite, écrire mes notes, ensuite avec le pod avec Regina. Donc, moi, je suis plutôt dans un rush. Toi, ça change pas en vrai. Mais du coup, on règle plus tard que d'habitude. Mais, je rush après. Pour faire le montage. Ouais, c'est ça. Donc on rush un peu plus, mais on tient bien. Donc cette semaine, on va évidemment revenir comme d'habitude sur tout ce qui s'est passé chez Elite Wrestling. On commence en lisant les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur le hashtag AEWPod. Il y a un tweet que je viens juste de voir, c'est Arizona Antoine, qui je sais nous écoute chaque semaine sur Spotify. Il nous dit demain c'est direction Saint-Louis en Alsace. Alors c'était la semaine dernière qu'il nous disait ça. Demain c'est direction Saint-Louis en Alsace, j'ai 3 heures de route et une bonne partie en écoutant le AEWPod. Eh bien merci à toi. J'espère que t'as passé un bon voyage du coup. Hein, oui. Voilà, et merci de nous écouter chaque semaine. Pour les commentaires YouTube, Frank Piazza qui nous dit qu'il a hâte de voir Kenny contre Hangman Page, on en reparlera évidemment tout à l'heure, et ça a été officialisé pour Full Gear, bien sûr. Alors, Dixer, justement, qui nous parle d'Hangman Page, il nous dit le retour du roi, tellement content de revoir Hangman, cette pop pour son retour, les chants cowboy shit, et... c'était la première fois qu'on entendait un public AEW huer John Moxley. Hangman est le plus gros babyface actuellement et cette storyline avec l'élite est la meilleure storyline dans le monde du catch. Vraiment hâte de le voir battre Kenny Omega. Et s'il se dégage du One Way Angel, je vais popper à mort. Évidemment, là, à Dynamite encore, il s'est passé quelque chose avec Hangman Page qui nous a sorti une excellente promo. Moi, mon attente, c'est une attente que je n'ai jamais eue auparavant depuis que je suis fan de catch. C'est-à-dire, j'attends un chef-d'œuvre. J'attends un truc qui va me faire chialer. J'attends peut-être trop. Mais je sais que je ne serai pas déçu. Mais ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine. C'est ça. Je suis même avec toi, mais... Moi, mes attentes sont un peu plus différentes. C'est dans le sens, en fait, où j'attends vraiment la balance parfaite, le match parfait où tu auras la balance parfaite entre le beau storytelling et la qualité de ring. J'attends un gros chef-d'œuvre comme ça, personnellement. Ensuite, à voir ce que ça va être à Full Gear cette année. Mais on a déjà eu un avant-goût avec le Full Gear de l'année dernière. On sentait qu'il y a de l'étincelle entre les deux. Mais l'année dernière, voilà, c'était light, ils n'ont pas dévoilé tout le package. Cette année, ça va être ouf. Et je l'espère, avec une grosse foule comme ça en plus. Ça non, mais l'année dernière à Full Gear, on était juste sur un spot fest. Très court, quoi. Là, ça ne sera pas le cas. Enfin, très court, ça durait quand même 20 minutes. Hein. Bah, je dirais 15. Ouais, entre 15 et 20. Non, ça a réellement duré 20 minutes. Mais on a eu un bel avant-goût, tu vois. C'était un bel avant-goût et ce qui est bien, c'est que dans ce match-là, faudrait que j'aille le revoir en plus. T'as vraiment l'impression que les deux peuvent faire beaucoup mieux et ça, c'est très très bien. Tu vois le délire ? Bah, dans une qualité in-ring, voilà, on était déjà sur quelque chose de très qualitatif, mais il y avait déjà une grosse histoire, même l'année dernière. Oui. Mais là, avec une année de plus, l'histoire a pris encore un autre tournant. Et donc là, voilà, il faut un combat qui nous investisse émotionnellement parce que la partie in-ring, il n'y aura aucun doute sur le fait que ce sera très bon, mais il faut surtout que le combat nous investisse émotionnellement et c'est vraiment ce que j'attends parce que je sais qu'ils vont sortir un bon combat de catch. Mais je ne sais pas ce que j'attends là. J'attends plus qu'un bon combat de catch. Parce que le bon combat de catch, on l'a eu l'année dernière. Oui, c'est ça. Donc là, on attend bien plus que ça. Melvin, qui
qui nous parle du Pinnacle. Il nous dit le Pinnacle de retour. On se rappelle la semaine dernière, enfin, des hommes masqués ont attaqué Darby Allin. Hein. Est-ce que c'était le Pinnacle? On se pose la question. On saura jamais, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est ce genre de mystère dans le catch. On saura jamais finalement. Et oui, le Pinnacle de retour, que ça fait du bien, même s'il y a encore des choses à développer avec ces derniers. Votre point de vue concernant l'avenir de Cody est intéressant à explorer. Le retour de Hangman était un moment très satisfaisant, l'histoire s'écrit et certaines superstars ont rendez-vous avec leur destin. Superbe review, vous êtes constant et bon épisode ce mercredi à vous les gars. Mais merci Melvin, alors c'était pas mercredi, hein, du coup c'était samedi. J'espère que tu n'es pas resté éveillé. J'espère que tu n'as pas fait comme Hangman, c'est-à-dire aller à l'arène et se rendre compte qu'il n'y a personne. Dante Obi qui nous parle aussi de MJF, il nous dit je suis d'accord avec votre vision, avec un MJF qui arnaque tout le monde à Full Gear, j'attends même pas une semaine, je finis le show avec. Donc je vous rappelle notre espèce de théorie, notre espèce de fantasy booking, mais qui finalement a été totalement... qui passera à côté, voilà, ça n'arrivera voilà, pas. Voilà, qui passera à côté, on va pas dire qu'il va tomber à l'eau parce que... Il est encore dans le top 5, hein, MJF, donc tu vas le délire, mais qui tombe un peu à l'eau, pour l'instant, temporairement. Là, pour l'instant, là, il est sur une rivière, mais on n'est pas loin de couler. Parce que voilà, on voyait MJF gagner le Eliminator Tournament et aller chercher Hangman Page, qui serait devenu champion mondial, qui aurait battu Kenny Omega à Full Gear, et au Dynamite suivant, MJF qui prend son opportunité, qu'il a gagné, et qui devient champion mondial. Ça n'arrivera pas... Dans la ville d'Hangman. Oui, dans la ville d'Hangman. Ça n'arrivera pas, du moins comme ça, et j'ai bien peur que ça n'arrivera pas tout court. Déjà, la semaine dernière, j'avais des doutes, mais bon, là, cette semaine, enfin du moins aujourd'hui, depuis qu'on a appris le bracket du Eliminator Tournament, je n'y crois malheureusement plus du tout. Par contre, il va falloir des méga testicules pour le faire, parce que si c'est mal amené, ça risque de provoquer un gros scandale qui ne focalisera plus la hit uniquement sur Maxwell. C'est tout ou rien. L'idéal serait que MJF passe ses prochaines semaines à casser la figure à ses concurrents principaux, les 3 Pillars. Pour s'assurer mieux la victoire, le Pinnacle l'aidera bien dans son œuvre. Effectivement, je pense que c'est peut-être ça qui va faire qu'on n'aura pas cette espèce de booking, qui pour moi aurait été de l'ordre du génie, de l'ordre du historique. Enfin, vraiment, je pense que ça aurait pu être extraordinaire, et je pense honnêtement que ça aurait pu être la meilleure chose à faire. Mais ça aurait été couillu, mais un pari, mais très bon à prendre. Tu as des liens. Oui, moi, je l'aurais fait. C'est le genre, tu te dis... Vas-y. Moi, je l'aurais fait. Ouais, bah oui, moi, je l'aurais fait. Moi, pour moi, en fait, mettre MJF champion du monde comme ça, c'est le genre de code, tu vois, sur Betclic, c'est 50 contre 1, mais qui te dit, putain de merde, ça peut arriver. Et puis, ça fait sens avec l'histoire de Hangman Page. Et en vrai, je vois pas pourquoi la Heat irait chez Heat Wrestling, parce que c'est eux qui ont fait un pari, mais un pari sur le futur au final, parce que MJF, ça reste quand même le futur, ça peut se comprendre, ouais, en fait, pourquoi ils mettent le titre MJF aussi. Mais après, justement, je pense que c'est pour ça qu'ils le font pas, parce que je pense qu'ils ont peur de la réaction, de voir de ce truc de le gros babyface gagne pour finalement, une semaine après, on est, même pas quelques jours après, on est la douille. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'osent pas le faire. Je pense que c'est pour ça que WWE ne l'a pas fait avec Kofi Kingston après WrestleMania 35. Et t'as aucune fête qu'ils font jamais, c'est ça qui est frustrant en fait. Alors que. Parce que justement, là, Hangman Page actuellement, c'est le plus gros babyface de l'Elite Wrestling. Je prends l'exemple de Kofi Kingston et Daniel Bryan à WrestleMania 35. Kofi Kingston à ce moment-là était le plus gros babyface de WWE. Donc, c'est hyper risqué et ça peut effectivement. Faire dire à certaines personnes, on se fout de notre gueule, on a eu notre grand moment pour que finalement, trois jours après, ils perdent le titre. C'est pas, après, lorsque c'est bien construit, en fait, les gens ne vont pas prendre ça comme du foutage de gueule. Ah, et dans le cas de Heat Wrestling, il y en aura toujours qui le... Je pense qu'il y en aura, il y en aura une grosse partie, honnêtement, je pense qu'il y a une grosse partie qui peuvent sincèrement le prendre mal. Mais après, quand tu réfléchis, mais même nous, sur le coup, si on voit MJF battre Hangman Page deux jours après qu'il ait gagné son titre, sur le coup, on va dire, putain, MJF va bien te faire. Voilà, mais après, quand tu réfléchis, c'est une excellente idée. Et puis, en même temps, c'est la réaction attendue. Sur le coup, tu dois te dire ça, MJF va te faire en cuque. Tu vois le délire ? En cuque, j'ai vraiment dit ça. Mais quand tu réfléchis, le storytelling que tu peux faire avec MJF champion du monde,
surtout chez avec... Elite Wrestling. Et puis avec la redescente aux enfers d'Hangman Page, qui était là, qui avait réussi ce qu'il avait, oui, c'est ça. Ce qu'il voulait depuis le début. S'il vous plaît, là du coup, bon, ça s'éloigne, il y a peu de chances que ça arrive, mais putain. Et c'est vrai, techniquement, comme tu... elle est encore là. Techniquement, elle est encore là, tu vois, mais c'est vrai que les chances se sont réduites. Ouais, ça, mais, oui. Mais du coup, comme le gagnant du Eliminator, ce sera forcément le premier challenger en Hangman Page. Tu vois, il n'y a pas MJF qui va venir avant et qui va dire je te grille la priorité. Voilà, c'est, je pense pas que ça arrivera. Donc voilà. Et après, pour Mox et Kenny, c'était le cas ou pas? Genre, après que Omega ait remporté le Eliminator, est-ce que c'est Kenny le premier? Je pense que c'est le premier. Je vais aller vérifier, mais je pense. Mais voilà, comme tu l'as bien dit, aucune promotion n'ose le faire. C'est ça qui est un peu frustrant, parce que mine de rien, ça peut être... Il y en a qui voient aussi ça comme du hot shot. C'est ça. Émotionnellement, l'investissement émotionnel, si tu fais ça, est fou. Et effectivement, faut pas avoir ça... Déjà, pourquoi du coup pas le faire? Parce que les gens sont déjà émotionnellement... extrêmement investi en Hangman Page, je trouve que ça serait l'opportunité parfaite, tu vois, pour mettre MJF champion du monde et mettre une putain de hit sur lui. Parce que là, les gens n'ont jamais été aussi investis dans un catcheur depuis je ne sais pas combien d'années. En toute honnêteté, j'ai jamais vu des fans aussi investis dans le personnage d'Hangman Page, autant se reconnaître en Hangman Page. Et au final, ça serait trop beau, juste en fait. La route vers le succès qui mène vers le succès comme ça, tu vois. Ok, il aura galéré durant quelques années, mais sur honnête, qu'est-ce qu'il fera ensuite? Pour moi, ça peut peut-être encore arriver, mais je n'y crois pas. Et pour moi, là, tout était écrit. Et après, on va pas se plaindre d'avoir une main page champion mondial, mais oui, je pense mais que on va l'écriture... pas se plaindre de Wrestling, ils ont d'autres plans aussi, peut-être, tu vois. Oui, voilà, peut-être qu'ils vont nous faire dire, voilà, mais. L'écriture d'Hangman Page pour moi aurait été au paroxysme si derrière il perdait directement son championnat mondial dès l'avoir gagné, quoi. Et là, pour être allé vérifier, donc John Moxley bat Eddie Kingston à Full Gear 2020 et Omega prend le titre, voilà, c'est la défense d'après. Donc voilà, il y aura pas, je pense, de place grillée par MJF. Dante Obi, qui nous parle aussi. Il nous dit une autre hypothèse qui me ferait hyper plaisir, c'est que Wardlow rentre dans le tournoi. On n'a pas de chance hein, avec nos hypothèses, nos fantasy bookies. On reparlera de ce bracket qui pue. Et qu'il soit en finale contre MJF. Dans ce cas, on évite une potentielle catastrophe et la finale arrive juste au moment où le contrat de Wardlow chez MJF arrive à expiration. Du coup, ce qui était vécu comme du tout cuit permet de lancer Wardlow solo, préserver Page en lui donnant un premier contender costaud. Et ouvre la porte au règlement de compte dont MJF a le secret. Ça aurait été pas con. Aussi. Donc voilà, pour vos commentaires, notre fantasy booking qu'on aurait tant aimé n'arrivera pas. Et petite dédicace à Celtic Warrior qui nous écoute chaque semaine et qui a relevé un certain moment de l'épisode dernier. je vous inviterai à aller réécouter si, ou aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Bon, voilà pour vos commentaires. N'hésitez pas hein, avec le hashtag AEWPod ou directement dans la section commentaires. Les news de cette semaine, on a appris... alors, il y a trois... on va dire deux ennemis... deux personnes ennemies qu'on signait avec All Elite Wrestling. Alors, un dont on parlera tout à l'heure. C'était déjà pressenti. Daniel Garcia... a officiellement signé avec All Elite Wrestling. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas le graphique Daniel Garcia et All Elite, où là, on est sûr que le mec a signé avec la compagnie. On n'a pas de doute. Mais, deux choses. Tout d'abord, Daniel Garcia a dit lors du vlog d'Evil Uno qu'il avait signé avec AEW. Et surtout, il y a deux repères pour savoir si un mec a vraiment signé. C'est le graphique All Elite ou... le site de la compagnie et Daniel le Garcia roster. voilà la page du roster du site de Elite Wrestling et Daniel Garcia a été ajouté à cette page du roster d'AEW, ce qui n'est pas le cas de catcheuses comme Diamante, d'un mec comme Serpentico. Ces gars là sont pas dans le roster et on sait que eux sont échelon 1 ou 2, donc là Daniel Garcia a peut-être passé un échelon de contrat. Et c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas eu le graphique All Elite.
Maintenant, faut savoir qu'il y a certains catcheurs qui sont sur la page du roster d'All Elite Wrestling et qui n'ont pas eu le graphique Iso Elite. Par exemple, les frères Gunn, Austin et Colton Gunn, sont sur la page du roster et n'ont jamais eu le graphique Iso Elite. Prenons par exemple... merde, j'ai oublié son nom. J'avais un autre exemple. Alors je vais essayer de retrouver ça. Luther a jamais eu son graphique Iso Elite, il me semble. Bon, après ça, ça date d'il y a pas mal de temps, donc j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois qu'il ne l'a après, pas eu. Après, storylinement parlant, ça se comprend, mais Wardlow, il a jamais eu son graphique Elite, je crois. Non, mais voilà, ça c'est plus pour la storyline. Oui, c'est storyline, ouais. Chavo Guerrero est sur la page du roster, mais n'a pas eu son graphique Iso Elite, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a quelques exemples. Yuka Sakazaki ou Emi Sakura, qui on le sait, oui. Catch plus du côté du Japon, sont sur la page du roster. Donc il y a certains exemples. Donc ça ne veut rien dire, et je pense que Daniel Garcia a vraiment signé un contrat quoi, avec AEW, puisque on va dire que c'est le cas de tous les mecs qui sont recensés. En vrai, si lui-même le confirme, tu vois, pourquoi on irait Ouais, non, mais après, là où on se demande, c'est, on savait déjà qu'il avait signé Daniel Garcia. Mais la oui. question est, c'est quel échelon de contrat c'est plus là qu'est la question. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, on est très content pour Daniel Garcia, on en a déjà beaucoup parlé. Catcheur de 23 ans, qui est extraordinaire. Un prodige. Oui, clairement, un génie. On n'en voit pas débarquer souvent, hein, des Daniel Garcia. Amanda Huber est également All Elite. Alors bon, là, on ne parle pas d'une catcheuse, on parle effectivement de la veuve... Enfin, d'une ex-catcheuse, hein, techniquement. C'est vrai, c'est bon, elle est un peu catchée, mais bon. La veuve de Monsieur Brody Lee, Monsieur Jonathan Huber. Et donc, All Elite Wrestling, après avoir offert un contrat au fils de Brody Lee, en offre un à la femme de Brody. Donc Brody Lee Jr, on sait, hein, voilà, son avenir est déjà tout tracé, il a déjà un contrat avec EW, il est d'ailleurs sur la page du roster d'All Elite Wrestling, Negative One, du Dark Order, et maintenant Amanda Huber, alors Amanda Huber ne catchera pas, elle va tout simplement être dans la partie un petit peu associative, caritative. Ouais. D'All Elite Wrestling, voilà, elle va aider, alors on n'a pas vraiment compris concrètement, mais en gros, elle sera là. Alors, son titre, c'est le AEW Community Outreach. Elle va rejoindre la Community Outreach de Elite Wrestling, qui, on va dire, un peu la sauce de Elite Wrestling pour aider. C'est juste une sauce caritative, hein, qui aide les gens de diverses manières, diverses façons. On ne sait pas tellement comment. Après, c'est ça, c'est que du backstage, hein, donc. Si on ne le sait pas, c'est tout à fait normal, c'est pas quelque chose qui est montré à la télévision, mais voilà, c'est sympa, en vrai c'est sympa pour elle, pour All Elite. Et All Elite Wrestling qui rend encore une fois un parfait hommage à Brody Lee qui voilà, on voit qu'ils prennent soin de la famille de Brody et qu'ils ne l'oublient pas, et voilà, c'est génial, on sent qu'il y a un respect éternel pour Monsieur Jonathan Huber. En parlant bon, de Brody Lee, on peut parler de son très proche ami Bray Wyatt. Alors, on ne va pas en reparler de Bray Wyatt, mais Tony Khan a juste réagi, il a dit « Oui, bon, Bray Wyatt, c'est un catcheur que j'aime bien, mais on n'a pas encore parlé. Fous-toi de ma gueule. » voilà, merci Tony Khan, on n'en dira pas plus. Ryo Mizunami est de retour aux États-Unis. Ça doit être sa troisième excursion maintenant du côté de Elite Wrestling. Elle était aux tapings de Dark Elevation juste avant le Rampage de vendredi soir. Donc Ryo Mizunami de retour. Alors là, c'est étonnant, tu vois, quand on parle du roster d'AEW sur leur site, Yuka Sakazaki et Misakura sont sur la page du roster, mais c'est pas le cas de Ryo Mizunami. Je trouve ça un peu étonnant. Mais donc Ryo Mizunami de retour, écoutez, certainement pour catcher du côté de Dark Elevation. On a deux news qui ne concernent pas directement All Elite Wrestling, même pas du tout. Minoru Suzuki, on le sait, est actuellement aux États-Unis pour encore quelques semaines. Il a fait quelques apparitions chez All Elite Wrestling, encore une nouvelle vendredi soir, dont on parlera tout à l'heure.
Et il va dorénavant débuter du côté d'Impact Wrestling. Il sera au prochain tapings fin octobre, juste après Bound for Glory. Donc Minoru Suzuki chez Impact, voilà, il continue sa tournée. Voilà, il est très présent sur le circuit indépendant américain. Il vit sa vie actuellement. Et je me demande ce qui se passe aux États-Unis, mais Suzuki est extrêmement présent. C'est bizarre quand même. Non, il fait d'excellentes prestations, même sur le circuit indépendant américain. Il a affronté Homicide, Joey Janela, Jonathan Gresham, Daniel Garcia d'ailleurs, Anthony Henry. Voilà, il a affronté de très très beaux noms sur le circuit indépendant américain. Et donc ça fait plaisir de voir Minoru Suzuki un petit peu partout. Mais on embrasse New Japan Pro Wrestling qui, en attendant, fait son G1 Climax avec Chase Owens et Tonga. Putain. Tu l'as encore là. Non, mais faudra m'expliquer. Et en parlant de New Japan Pro Wrestling, mesdames et messieurs, Buddy Murphy débarque du côté de New Japan Pro Wrestling, mais non, pas du côté du Japon. Non, on va pas faire des recrues au Japon, vous êtes fous ou quoi? Non, on va le recruter pour les États-Unis, pour New Japan Strong. Buddy Matthews était au taping de New Japan Strong en même temps que Dynamite. Il débutera le 13 novembre. Alors, je sais pas ce qu'il y a le 13 novembre. C'est une autre série de tapings, mais en vrai, en fait, c'était une vidéo promo qui disait 13 novembre. 13 novembre, d'accord. Il va rendre hommage à Eddie Guerrero, j'imagine. Non, mais voilà, Buddy Matthews, on est très content, évidemment. Mais voilà, bon, moi, je vais encore dire la même chose. Que font New Japan au Japon, qui n'ont recruté personne depuis 2019? Est-ce que vous vous rendez compte, 2019? Ils n'ont recruté personne depuis. Alors, techniquement, c'était la dernière recrue, ça doit être Kenta. Ouais, c'était Kenta. Donc, G1 2019. Donc, il y a 2 ans. C'est ahurissant. C'est fou. Il n'y a que Master Wato et le Great Okan qui sont arrivés depuis. Et c'est même pas des recrues. Le pire de tout ça, genre, avant Kenta, même là, il y avait. C'est le dernier, je crois, c'était Shingo. Fantasmo. Fantasmo? BOSJ, ouais. BOSJ 2019. BOSJ, ouais, c'est vrai. Mais c'est un truc de dingue. Après, on espère que ça va au moins lui ouvrir la porte pour débarquer du côté du Japon. Mais ils font plein de recrues, que ce soit aux US, où ils ont limite un meilleur roster qu'au Japon, que ce soit en Angleterre, avec aussi Open, qu'on rejoint l'United Empire, TJP a rejoint l'United Empire. Là, ils viennent de récupérer Buddy Matthews. C'est ahurissant. T'as du Jay White qui tourne là-bas aussi. Ah mais oui, il y a Jay White, Will Ospreay, Minoru Suzuki qui sont aux États-Unis. Ishii également entre les tournées, sans pourquoi aussi il va là-bas. Donc non, c'est incompréhensible de ramener personne au Japon. J'espère que c'est quand même le but au bout d'un moment de ce putain de New Japan US qui existe depuis maintenant un an et qui a rien proposé de réellement huge hormis leur espèce de pay-per-view avec une production très médiocre. Moyenne. Faut dire ce qui est. Regardez, alors la version US ça va, tu vois, celle qui a été diffusée sur Fight TV ça passe encore, mais la version diffusée sur New Japan World c'est pitoyable. Les mecs ont fait un screen recorder de la version US. Ah ouais. C'était tout moche, ouais, je te jure. Parce que tu vois, le lendemain en fait, je pouvais pas le voir sur les sites de streaming parce qu'ils ont tout takedown, du coup je pouvais voir juste la version japonaise sur New Japan World. Et ils ont fait un screen record de la version Fight, mais sauf que parfois en fait tu voyais que le mec il raquait sur Fight, et puis n'importe quoi. Et donc on paye un abonnement pour ça. Oui. Foutez bien de en vrai, ça reste moins pire que les commentaires anglais, alors je sais pas, G1 ou... Non, G1 encore ça va, mais genre des shows avant, tu vois, tu voyais que les mecs étaient en appel sur Skype ou sur Discord, en train de rec. Incroyable, genre non, c'est incroyable. Non mais on espère qu'ils vont se réveiller et ramener Buddy Matthews, parce que oui, là il y a les Best of Super Junior en décembre qui seront je pense qu'en un bloc hein, comme l'année dernière, donc des mini BOSJ à nouveau, mais si on pouvait avoir Buddy Murphy au moins quoi, et pas encore se taper tous les mêmes noms sans aucune nouveauté quoi, parce que là la seule nouveauté de ce G1 c'est Great Okan, parce que il avait jamais fait G1 quoi, parce qu'il fait ses débuts au dernier. Arrête, day. Arrête. Il y a d'autres nouveautés aussi. Il y a non, Chase non. Owens. Attends, non, c'est merci. Son. Non merci. Non mais quand je veux dire nouveauté, c'est un mec tu vois qui a jamais vraiment eu des 1 contre 1. Voilà, il est arrivé il y a un an le Great Okan. Là au BOSJ, si on fait ça, il y a personne. Master Wato, il les a fait les BOSJ l'année dernière.
Donc, oui, surtout que depuis, t'en as qui ont été call-up. Hein, ouais, en plus, donc on va perdre des gars. Donc non, mais c'est... ramener Buddy Murphy pour ces putains de BOSJ pour que ça ait un intérêt, quoi, au moins. S'il vous plaît. Oui. Roman Reigns a... je ne sais pas où a fait... où était cette interview, sur quel média. Mais a fait une interview... Ouais. Alors, où il va pas mal parler de Elite Wrestling, il va leur faire quand même quelques compliments aussi, en disant, bon, c'est bien d'avoir de la compétition, etc. Mais où il va aussi critiquer, où il va dire que... il paraît, pour lui, ça paraît bizarre que le public soit au premier rang, soit limite le truc principal de la compagnie. Il dit aussi que AEW, eux, ne s'intéressent qu'aux fans hardcore, alors que WWE s'intéresse à tout le monde. Faux, il s'intéresse effectivement à tout le monde, sauf aux fans hardcore, Roman Reigns. Et voilà, donc il est revenu sur Elite Wrestling, il est revenu aussi sur CM Punk, où là, je pense que c'est la pire partie de l'interview, mais évidemment, bon, Roman Reigns, il est ultra kayfabe, aujourd'hui, c'est l'un des rares à beaucoup, beaucoup, beaucoup respecter le kayfabe. Donc voilà, bon, il est revenu sur CM Punk, il a dit, après s'être fait péter la gueule à l'UFC, ça prouve bien qu'il tiendrait pas dans le ring avec moi. J'ai pas regardé. D'où notamment après sur Instagram Junior Dos Santos qui call out Roman Reigns. Oui, bon. Ouais. Il dit aussi j'ai regardé quelques extraits de CM Punk, j'ai pas vu un combat entier, mais voilà, on sent qu'il a baissé de niveau. Voilà, il a baissé de niveau. Ce qui paraît logique, non, mais voilà, je vais même pas critiquer Roman Reigns parce que c'est ultra kayfabe. Et on sait très bien. T'avais aussi la phrase où il complimente le New Day en disant que eux, c'est une vraie fratrie comparée à lui, Mox et Rollins lorsqu'ils étaient ensemble dans le Shield. Non, mais voilà, on sait très bien que je pense que Roman Reigns ne pense pas ce qu'il dit et que c'est juste pour rester dans le kayfabe. C'est quelqu'un de très intelligent, très apprécié backstage et je pense pas qu'il irait critiquer CM Punk, Moxley, etc. Après alors j'ai vu l'interview était sur Complex pour ceux qui ne savent pas, enfin ils sont surtout connus sur ça sur YouTube, c'est eux je crois qu'ils organisent les séries où ils invitent une star de n'importe quel monde soit monde sportif ou monde du divertissement à venir ensuite faire du shopping de chaussures. Par exemple, ils avaient invité Mbappé. Ils ont invité Punk récemment d'ailleurs. Ils ont invité. Tu ne donneras surtout pas le lien de cette chaîne pour que j'aille surtout pas regarder ça, parce que ça ne m'intéresse surtout pas du tout. Mon Dieu, ils vont acheter chaussures. Non, mais c'est oui, ils achètent des chaussures, mais c'est en même temps pour faire la discussion, tout ça. Parce que le mec qui présente ça, c'est un collectionneur, je crois, donc. Bon, après, je peux comprendre pourquoi certaines personnes aiment ça, tu vois, délire. Oui. Très bien. Bah écoute, voilà, bon, j'ai pas trop envie de parler de ça parce que voilà, c'est une interview full kayfabe et c'est normal que Roman Reigns fasse ça. Je trouve qu'il a pas trop chié sur Elite Wrestling en plus. Il a donné son avis, il a dit un peu de la merde, il a dit des trucs plutôt pertinents aussi, bon. Et puis, c'est un truc ultra kayfabe, donc. Évidemment, comme chaque personne de qui se respecte, c'est pas de la compétition aussi. Non, mais oui, voilà, ça, mais ça je suis sûr qu'il le pense pas, ça, Roman Reigns. Oui, je suis sûr que personne chez Drew le pense, tu vois. Je pense qu'il y en a. Mais ils sont obligés de dire ça pour un peu avoir un petit ego à eux, tu vois, délire. Ouais, et puis. Et bon, rester en personnage. Ouais, c'est ça, et puis je pense que s'ils disent non, AEW c'est vraiment la compétition, je me chie dessus. Bon, je pense que Vince McMahon derrière, je pense qu'il va être bien content. Alors, il y a aussi ce qui s'est passé avec Tony Khan, qui était à un match des Jaguars. Et bizarrement, il y a un photographe qui est venu. Bizarrement, il y a un photographe qui est venu pile au moment où Tony Khan avait gribouillé sur un calepin la potentielle carte de Full Gear. Bizarrement. Potentiel. Et bizarrement, Tony Khan il prend la pose et avec les notes dans les mains. Bizarrement, tu sais, en plus les notes elles sont face à la photo. Bizarrement. Et on reconnaît toutes les notes. Hein. Est-ce que je les ai, mon chéri? Oui, voilà. Donc, alors, il y a des trucs. Bon, Kenny Omega contre Hangman Page qui a été officialisé. Et finalement, on se dit, bah attends, ça peut ne pas être faux parce que sur cette carte, il y avait aussi Bryan Danielson contre Jon Moxley.
qui sera, bon, on vous le dit, hein, la finale de du Eliminator Tournament à Full Gear, voilà, au vu des raquettes. Voilà. Donc, effectivement, ça paraît un peu gros, on connaît Tony Khan, et je sais pas s'il y a un plan derrière ça, si... Bah, voilà. Attends. Mais attends. Ça peut pas après, être après, si on décortique la carte, tout reste logique. Tu vas aller lire. À part certains trucs, je sais pas comment ils pourraient amener ça, mais ça reste logique dans quasiment tous les matchs. Pour vous dire, viteuf. Il y a Kenny Page, Brian Mox, Inner Circle American Top Team, même Jeff Darby, Punk Wardlow, un match de Britt Baker, Jade Cargill contre Thunder Rosa, Christian contre Adam Cole, Lucha Bros FTR. Box contre Jurassic Express et enfin Cody Malakai Black ou Andrade contre Miro. Donc il y a certains trucs, ça se comprend, mais ensuite il y a des trucs, tu sais pas. Mais Easter egg de la part de Tony Khan, j'ai envie de te dire. Je sais pas quel est le but en fait derrière cette photo. Évidemment, bon. C'est pas une référence cette photo justement, dans le sens où je crois qu'il reprend exactement la même pose par rapport à un truc, je me rappelle plus, ouais, c'était ouais, quoi. J'ai un peu vu ça aussi, ouais. J'ai vu le screen de ça doit être une série ou un film. Mais je pense pas que ce sera la carte de Full Gear. Effectivement, bon, il y a des trucs obvious, mais je sais pas s'il y a un but derrière ça, s'il y a une storyline, un truc, je sais pas, mais ça paraît trop gros. Enfin, d'un moment, ou c'est juste Tony Khan qui est légitimement con, c'est possible aussi. ouais, c'est, franchement, j'y crois moyen, quoi. Ça fait beaucoup de coïncidences pour une seule photo, quoi. Je trouve ça trop gros. Bon, après, c'est pas impossible. Hein. Tony Khan, il a dit. Je prenais des notes sur mon cahier de brouillon et puis comme par hasard il y a un photographe au même moment, je m'en suis pas rendu compte. Ouais. J'y crois moyen, j'y crois très moyen. Hein. Ouais. Bon après il y a des trucs qui seront peut-être vrais dans ces notes-là. Enfin il y a des sûrs, c'est même vrai. Mais ensuite bon. On verra si d'ici là la carte change. Ouais, moi ma question elle est plus sur le fait que ce soit la carte de Full Gear ou pas, juste si ça va servir à un angle, à un truc, parce que je trouve ça étrange. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Bon. Dark Elevation, voilà pour les news, on va passer à Dark Elevation tous les lundis soirs sur YouTube. Et nous commencions... Tac, j'ai pas pris... Non, si, ça... Ah oui, c'est que j'ai pas trouvé la review de Dark Elevation sur 411. Ils l'ont pas fait cette semaine, ils ont dit flemme. Penelope Ford va squash Notorious Mimi en 2 minutes et 10 secondes. Quel nom incroyable. Alors je vais aller vérifier ça. Si c'était ses débuts chez All Elite Wrestling. C'était ses débuts du côté d'AEW. Alors elle a 18 ans. Elle est plus jeune que nous. on arrive à ce stade-là. Hein. Ouais. Bon après avec Stardom j'ai un peu plus l'habitude, mais on arrive à un stade où... les catcheurs, catcheuses commencent à être plus jeunes que nous et c'est terrible. C'est terrible. Alors, Notorious Mimi, je la connais uniquement de nom. Je l'ai jamais vraiment vu catcher, effectivement, née le 5 janvier 2003. Elle catche depuis 2019. Là, je vois. Est-ce qu'elle est entraînée là-bas? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a fait ses premiers pas du côté de la Monster Factory. Ouais, voilà, elle est entraînée là-bas. Alors, le Monster Factory, c'est une école légendaire. Si je ne m'abuse. Qui je crois est-ce que c'est pas l'école, je vais aller vérifier ça. En tout cas je sais que récemment elle a entraîné notamment Damien Priest, Matt Riddle, donc même récemment ça sort encore beaucoup de noms, mais j'aimerais bien aller voir ça, je vais aller vérifier ça. Non, c'est une école plutôt récente finalement, mais voilà, il y a beaucoup de noms qui en sortent. Je vois Chris Harris, Chris Candido, voilà. Big Show, c'est ce que je voulais vérifier, c'est bien l'école qui a entraîné Big Show, Bam Bam Bigelow, donc beaucoup de big guys, King Kong Bundy, voilà, donc je me suis pas trompé, c'est bien ce que je voulais. D'où le nom, Monster Factory, parce que ça, c'est une école qui a entraîné beaucoup de big guys, D'Lo Brown, Domino, de Deuce and Domino, donc Cliff Compton, Raven, après tu as aussi des catcheurs un petit peu, des plus petits gabarits, les Pitbull de CW, le Godfather, Sonjay Dutt, Steve Cutler, Quitty Marshall d'All Elite Wrestling, et d'ailleurs Quitty Marshall est en partie l'un des entraîneurs du Monster Factory, et Nick Comoroto sort du Monster Factory, et ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle Nick Comoroto a rejoint le Factory de Quitty Marshall,
Bref, revenons à Notorious Mimi, donc entraînée au Monster Factory, et elle a une grosse année 2021. Elle a fait ses débuts pour l'Invictus Pro Wrestling, pour la Global Syndicate, pour la WrestlePro, et pour la Combat Fight Unlimited, qui est une toute nouvelle compagnie de shoot fight, proche des règles UWFI, mais dans une cage, 100% féminine. Donc c'est une compagnie très intéressante. Donc la meuf n'a que 18 ans, elle a une grosse année 2021, elle fait là ses débuts chez Elite Wrestling. Donc ça faisait plaisir. Le Inner Circle vont battre alors Adrian Soriano et Matthew Omen, accompagnés de Gabriel Oder. Alors me demandez pas pourquoi. Alors Adrian Soriano, que je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Ok, c'est bien ça. Alors Adrian Soriano, Gabriel Oder et Matthew Omen. Alors Gabriel Oder là, il ne catchait pas, mais ces trois là, c'est un trio de Ring of Honor, les Primal Fear, du côté d'ROH. Alors eux aussi entraînés au Monster Factory, donc le Monster Factory qui doit être basé à Miami. Ah non, basé dans le New Jersey. On était dans le New Jersey, ben non mais je suis con, c'était la semaine dernière. Donc je pense que la semaine dernière on était dans le New Jersey. Et donc Primal Fear, c'est un actuel trio de Ring of Honor. Alors ils apparaissent pas beaucoup dans les main shows d'ROH, ils apparaissent plus sur les shows YouTube, les week by week, ce genre de trucs. Mais ils ont récemment eu une shot au championnat Six Man Tag, face à la chaîne Taylor Promotions. Et c'est une équipe très charismatique, donc j'étais très content. Ils faisaient leur début chez AEW également. J'étais très content de les voir chez All Elite Wrestling. Je viens de voir que justement leur dernier match avant justement ce Dark, c'était un super threat entre, bah, entre les trois. Ouais, ouais, non, mais c'est un vrai trio quoi. Gabriel Oder, catch, c'est juste que là ils, bon, ils sont fait squash par Ortiz et Santana en 1 minute et 10 secondes. Alors un combat très intéressant. FTR vont battre un autre catcher de Ring of Honor, LSG, Leon St. Giovanni, et Lee Moriarty, de retour chez All Elite Wrestling. On sait que Lee Moriarty a signé, on en reparlera tout à l'heure. Un combat qui va quand même durer 7 minutes 30. Ce qui est intéressant, c'est que Lee Moriarty et LSG ont récemment fait équipe du côté de Ring of Honor lors de Death Before Dishonor, dans un combat avec... Alors, c'était pour les championnats Six-Man Tag. Non, c'était contre Violence Unlimited. Qui catchait, ça devait être du coup Dickinson, Omasai et Tony Deppen contre, alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris 3 catcheurs de la division pure avec un catcheur old school Ring of Honor John Walters, un catcheur on va dire du présent de Ring of Honor LSG et un catcheur du futur plus que ROH là, bon, du futur du catch, Lee Moriarty. Et donc Lee Moriarty et LSG ont déjà fait équipe et je trouvais que ça fonctionnait très bien, et donc là ils font équipe chez AEW. Une victoire évidemment d'FTR dans un combat qui apparemment était plutôt qualitatif, qui est bien noté là sur Cage Match. 6,63 je vois. Ouais. De moyenne, effectivement, donc sur 10, hein, on le rappelle. On rappelle les notations Cage Match. Et non sur 5 évidemment, parce que là, oui, bon, là ça c'est un peu abusé. Ah, c'est Dave Metzger ça. ouais, un beau average rating à 6,71 sur Cage Match. Take Conti va battre Danny Mo, qui faisait également ses débuts du côté de Elite Wrestling. Alors d'animaux, elle catch que depuis, alors là je vois 2017, elle a fait une petite pause, on va dire qu'elle catch vraiment depuis 2019. Et elle a une énorme année 2021. Alors moi je l'ai découvert en tout début d'année lors du fameux Fight Forever, le show 24 heures de Game Changer Wrestling, où elle avait affronté Façade. Et en gros d'animaux, je sais pas si c'est la femme de Façade, mais en tout cas ils sont toujours ensemble, ouais, ils font équipe, ils sont appelés les Neon Blondes. Voilà, ils font équipe depuis l'année dernière. Et Danimo a eu une grosse année 2021, notamment du côté d'OVW. Voilà, c'est une régulière d'OVW. Voilà, un combat chez Game Changer, un combat chez Olympique dorénavant. Et voilà, il catch un petit peu partout. Je vois de la Title Match Wrestling Network. Je vois de la Next Generation Wrestling, de la Warrior Wrestling, de la Pennsylvania Premier Wrestling. Et puis un petit peu de Coastal Championship Wrestling aussi, de l'Enjoy Wrestling. Elle est un peu partout d'animaux, grosse année 2021, et là elle faisait ses débuts du côté d'AEW et elle va perdre face à Tay Conti. Alors, Joey Janela, accompagné de Kayla Rossi, va battre, mesdames et messieurs, Crowbar, qui faisait ses débuts du côté d'All Elite Wrestling. Alors, qui est Crowbar, également connu sous le nom de Devon Storm. Alors, c'est.
un catcheur des années 90 qui aura fait un tout petit peu de CW, un tout petit peu de WWF, mais qui est surtout connu pour son passage chez WCW, son alliance avec David Flair et Daphne, qui nous a récemment quittés. Et d'ailleurs, Kayla Rossi a fait un superbe hommage à Daphne, la meuf a placé un moonsault. Et ce qui est très étonnant avec Kayla Rossi, donc, qui est la bodyguard de Joey Janela, qui est pas du tout une catcheuse, on l'a jamais vu catcher, mais du coup, on présume qu'elle s'entraîne pour devenir catcheuse. Kayla Rossi, elle a été recrutée parce que c'est une pote de Jade Cargill. Mais ce qui est étonnant, c'est que la meuf, elle place un moonsault. Donc je me dis que Kayla Rossi est potentiellement meilleure que Jade Cargill. Donc attention à Kayla Rossi. Ce serait terrible. Attention à Kayla Rossi. Et donc voilà, Joey Janela va battre Crowbar, qui faisait ses débuts chez Elite Wrestling. Alors Crowbar, voilà, Devon Storm, je sais même pas si j'ai besoin de le présenter, voilà. Il est... T'en as déjà assez parlé dans des retro reviews, non? Ouais, aussi, voilà, allez voir mes retro reviews. Et Crowbar, qui mine de rien, était pas si mauvais que ça. À l'époque, dans les années 90, fin des années 90... Il était à la mauvaise période, en plus de WCW. C'est ça, c'est qu'il était dans la mauvaise période de WCW, il a vraiment eu un push 99-2000, quoi. Allez, 2000. Donc c'était pas un mauvais worker, c'était un gars très grand, mais qui faisait qui avait un côté cruiserweight en fait, et qui d'ailleurs a beaucoup catché dans la division cruiserweight. Malheureusement, bon, il a été mis en équipe avec David Flair, enfin, pour quel enfer. Et puis Crowbar récemment, bah, il catche encore en 2021. Je sais pas qui a l'agi. C'est impressionnant. Je pensais qu'il avait arrêté et puis qu'il a juste pop-up dans ce Dark Elevation. Non, du tout. Il a 47 ans, c'est encore un régulier et notamment de Game Changer Wrestling. What? Alors à l'époque de 2014, 2015, 2016, quand Game Changer Wrestling, enfin quand JRD Championship Wrestling devient Game Changer Wrestling. Mais, par exemple, il y a eu un combat en 2021, justement, du côté de la Jersey Championship Wrestling, qui, je vous rappelle, a fait son retour sous l'égérie Game Changer Wrestling, en tant un peu que NXT de Game Changer Wrestling. Et d'ailleurs, Game Changer Wrestling qui a annoncé une nouvelle compagnie. Donc, en plus de la Jersey Championship Wrestling, en plus de Game Changer Wrestling, du coup, en plus de Hybrid Wrestling, qui fait un petit peu partie de Game Changer Wrestling, il y a une nouvelle compagnie basée à Los Angeles, je crois. Il y a eu un communiqué, ouais. Et donc Crowbar récemment était au show After Hours de Jersey Championship Wrestling, qui donc appartient à GCW, où il a perdu contre Rickashen Page. Donc le mec catch encore régulièrement. Il a participé au Super 8 Tournament de 2021, où il a quand même été jusqu'en demi-finale. Donc Devon Storm qui est encore présent, et donc là qui va perdre en 6 minutes face à Joey Janela. Alors, il y a encore cette histoire avec Sonny Kiss qui ne s'arrête jamais, hein, j'ai l'impression. puisque Sonny Kiss va attaquer Joey Janela. Sauf que Kayla Rossi va frapper Sonny Kiss. Janela va l'aider. Sauf que qui va venir faire le save? Le Blue Manny va venir aider Sonny Kiss. Et Crowbar. Alors, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. C'est une espèce de réunion avec plein d'anciens de ECW. Bon, Crowbar qui avait pas grand chose à foutre là. Alors certes, il a été chez ECW, mais il est bien plus connu pour WCW. Il a fait qu'un an hein, chez ECW, Devon Storm. Et il a rien fait, hein, concrètement. J'ai pas compris pourquoi il y avait Crowbar ici. Mais voilà, ils ont fait une réunion avec Chris Jericho, Taz et CM Punk qui est arrivé et qui a dit « Moi aussi, j'ai été champion ECW. » Non, ne nous parle pas de ça, s'il te plaît, CM Punk. Arrête, en vrai ils en ont ri, donc je pense que c'était purement ironique, ça c'est... Oui, non mais oui, je sais que c'était ironique, mais justement, raison de plus de ne pas nous en parler. Mais oui, la blague était drôle, et évidemment. Le pire de tout ça, fun fact, à l'époque, je sais pas si j'ai déjà raconté cette fact parce que tu faisais tes retro-reviews, à l'époque Eman était intéressé de signer ECW, enfin, il était intéressé de signer Punk chez ECW vers 2000-2001. Ah. Ouais, parce qu'il fait ses débuts. Putain, CM Punk et Steve Corino, putain, ça m'aurait fait... Oh là là, ça aurait été le feu. Mais ils ont jamais eu d'altercation en vrai. Quand j'y repense, même chez ROH ou quoi, c'est dommage. Je sais qu'ils ont fait des tournées ensemble, notamment la fameuse anecdote où ils se sont bourrés la gueule, enfin, où Steve Corino s'est bourré la gueule dans un bar homo chez Zero Angleterre. One. Chez Zero One aussi, mais ils sont jamais rencontrés, enfin, ils ont jamais eu un programme les deux ensemble. C'est dommage. Et d'ailleurs, Steve Corino qui a sorti un combat à la PWF, qui est sa compagnie,
contre son fils Colby Corino. Je crois que le combat il dure 40 minutes. Faut absolument que je vois ça. Parce qu'apparemment c'est un banger absolu. Amour pour Steve Corino, pour Colby Corino. Je rêve que Colby signe du côté d'Oli Tracy. Je pense que là, si j'ai l'opportunité de signer un gars du cercle indé chez AEW, en vrai de vrai, je pense qu'un de ces quatre il va signer. C'est juste une question de temps et une question de développement aussi. Parce qu'en plus, il a une histoire de fou. Il a eu des problèmes avec la drogue. Il s'est fait virer des rouages pour ça. C'est vrai qu'il était chez Roach avec BJ Whitmer et Hangman à l'époque. Et moi je le détestais à l'époque. Je haïssais Colby Corino là avec son outfit de super-héros. Dis-toi qu'à l'époque, moi je détestais aussi Hangman Page lorsqu'il était avec BJ Whitmer. Pas du tout Hangman Page. Non mais ouais, Colby Corino, je l'haïssais à l'époque là avec cet outfit de super-héros. Pareil chez Evolve. Ça fait 2 ans que je suis fou de ce garçon. Je l'aime, vraiment, et puis son histoire. Moi, Steve Corino, quand il gagne le championnat ECW, je crois que c'est November to Remember 2000, ou 2001, 2000, et qu'il a le, comment on appelle ça, tu sais, les bandeaux autour des mains, là. Le strap. Voilà, qu'il a un strap avec marqué Colby, et qu'il embrasse, bon bref. Colby Corino, s'il vous plaît. Bref, Rubisso va battre en 4 minutes Emi Sakura dans un combat qui devait être plutôt cool, toujours accompagné de Lulu Pencil. Lulu Pencil qui a interviewé Kenny Omega. Lulu Pencil, numéro 500ème du Puy, qui a interviewé le numéro 1 du Puy. Ouais, c'était marrant. Et la Hardy Family Office, j'en peux plus, qui vont battre Chuck Taylor, Wheeler Utah. Oh merde. Mais pas encore avec les best friends. Enfin, Chuck Taylor, Wheeler Utah, mais pas full best friends. Au début, j'allais dire, hein, enfin, ils vont changer de programme parce que j'ai vu Nightmare Family comme premier nom, puis ensuite j'ai eu le reste. Encore Chuck Taylor et Wheeler Utah, mais effectivement avec Brock Anderson et Lee Johnson de la Nightmare Family. Une victoire de la Hardy Family Office assez étonnante, composée de Butcher, Blade et Private Party. Ça a duré 6 minutes et 30 secondes. Ça m'a jamais signé hein, leur truc là avec Orange Cassidy et Matt Hardy, j'ai l'impression. Et on a toujours pas vu Jack Evans chaud. Je sais pas. T'es déçu ou pas? Wow, on embrasse Jack Evans. Quelle déception de Jack Evans. Mon dieu. Dark, diffusé tous les mardis soirs sur YouTube. Et il me semble que c'est la dernière session disponible des tapings au Universal Studios, puisque donc ils ont tape Dark Elevation avant Rampage et ils ont tape Dark avant Dynamite. Alors c'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est-à-dire pour Dark Elevation je m'en fous, c'est bien, mais pour Dark, maintenant que vous avez la salle pour Dark, faites tous les Dark à Dark et pas pendant 2 mois on je est dans pense, la salle. Alors... J'ai croisé Tony Khan, mais j'ai croisé un tweet de Tony qui répondait justement à un fan. Ça va être bientôt, ça va être pour bientôt. C'est juste que bah, pour l'instant, il y a déjà des réservations au studio. Ouais, voilà, donc on attend c'est pour ça qu'il peut pas la prochaine set de taping. Alors cet épisode a duré 22 minutes. Je pense qu'on est sur le record du. Ouais, c'est le Dynamite le plus court ever. Nous commencions avec Captain Sean Dean qui va prendre une victoire en 2 minutes face à Andrew Lockhart. Ça a eu plaisir de voir Sean Dean un petit peu enchaîner les victoires. Kylan King va battre Ashley d'Amboise en 3 minutes. Toujours aucun intérêt pour Kylan King. Wardlow va squash Darian Bankston en 2 minutes. Très bien. Et dans le main event, Evil Uno va battre Anthony Green en 6 minutes dans un combat qui a apparemment été plutôt chouette. Un bon 6.17 d'average rating sur Cage Match. Bon, pourquoi pas. Et Anthony Green, je me demande si AEW a pas des intérêts en Anthony Green. Parce que il fait ses débuts à Dark en équipe avec Stallion Rogers, anciennement Kurt Stallion, face à FTR dans un excellent combat qui dure 10 minutes. Il apparaît à Dynamite. Là, bon, ça dure 6 minutes, tu vois, c'est toujours compétitif pour Anthony Green. Ah ouais. Donc je me demande s'il n'y a pas un intérêt autour de celui qui se fait dorénavant appeler The Alternative. Voilà. Et j'adore Anthony Green qui a su se réinventer après son licenciement de WWE et qui est déjà redevenu champion Limitless Wrestling, où il a récupéré le titre des mains de Daniel Garcia. Et alors un combat qui n'a pas été tape, Joey Janela a battu Stallion Rogers justement. Donc anciennement Kurt Stallion, et je trouve ça dommage. Pourquoi que... ils l'ont pas diffusé? Ben, je me demande est-ce que non Kurt Stallion s'est pas blessé pourtant. Je sais pas pourquoi. Donc je suis un peu déçu parce que j'adore Kurt Stallion qui je trouve s'améliore très vite. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Voilà pour Dark, ça a duré 20 minutes, que des squash là, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, ouais, le main event qui a duré quand même 6 minutes.
Mais tant mieux, it's Wednesday night, you know what that means. On est parti. Ah bah non. Ah bah non, bah, bah oui, c'est vrai. Oui. Putain, j'ai trop l'habitude. Bon, it's Friday night, you know what that means, putain. C'est bizarre l'habitude. Que tu commences avant moi, en vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est une première. J'ai tellement l'habitude de faire cet enchaînement. Rampage, diffusé vendredi soir, alors on le sait. SmackDown était diffusé, non pas sur la Fox, mais sur... Fox Sports 1. FS1, voilà. Et ce qu'a fait SmackDown, ils ont dit, bah, on va rallonger de 30 minutes, hein, tu vois, pour aller en face de Ray Tracing. Et du coup, Ray Tracing, ils ont dit, bon, bah nous, on va faire un buy-in. Donc, première fois qu'on a un buy-in pour un weekly. Et, bah oui, en fait, hein, oui, quand on voit le buy-in, bah oui, bah, faites ça plus souvent, hein, des buy-in. Hein. Puisque... Surtout, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Oui, c'était effectivement sur YouTube. Et je pense qu'on a eu affaire à l'un des meilleurs pré-shows ever, et surtout le meilleur combat que j'ai vu en pré-show. Fun fact, alors fun fact aussi d'ailleurs, t'avais je crois quasiment 100 000, on dirait, je crois que c'est 80 000 le chiffre exact, 80 000 en direct sur le stream. Alors on était 90 000, moi j'étais en direct avec Elias. 90 000, ouais, c'est impressionnant. Pour un live stream YouTube, voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc, surtout qu'il y avait SmackDown en face, donc c'est vraiment, vraiment très bien. Et le lendemain matin, lorsque j'ai checké le buy-in, à 9h du matin, on était à 600 000 vues. C'est très bien, et on va pas partir dans le truc de qui va gagner les ratings. SmackDown va les gagner, évidemment, et on s'en bat les couilles, en fait, concrètement, puisque c'est incomparable. C'est incomparable, Fox est une chaîne gratuite. C'est comme non, mais si même en fait. Pas, non, mais au-delà de ça, Fox effectivement est une chaîne gratuite. Fox est une bien plus grande chaîne. Mais surtout, c'est en prime time. Alors attention, parce que là, cette semaine, c'était pas sur la Fox du coup, hein, c'était sur FS1. Non, c'est les 30 minutes qui étaient sur FS1. Ah, c'était que les 30 minutes, ok, autant pour moi. Ouais. Donc, ouais, bon, c'est encore moins comparable du coup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en prime time. Rampage en deuxième partie de soirée, donc fermez vos gueules. C'est comme si vous compariez Koh-Lanta et Vendredi tout est permis. Putain, les frères, les références. Koh-Lanta et Vendredi tout est permis, que ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer. Non, encore, t'as pris un truc sur la même chaîne. Attends, non, c'est comme si tu comparais Koh-Lanta à, je sais pas, l'après-match sur Bein. C'est ça, ou l'équipe du soir sur l'équipe 21. Mais ça n'a rien. Ouais. Tu ne peux pas comparer deux trucs qui sont pas dans le même créneau horaire. Déjà que c'est difficile de comparer sur deux jours différents. Alors j'en ai déjà parlé pour Raw et Dynamite, pour moi c'est comparable, lundi soir, mercredi soir, on peut comparer ça. Par contre, quoique le vendredi soir, on va dire que tu es de la mauvaise foi, mais non, parce que le vendredi soir, c'est le week-end d'après. Donc le vendredi soir, les gens regardent beaucoup plus la télé. Et après, la deuxième partie de soirée, tu peux pas comparer. Tu peux comparer NXT, Dynamite et Raw. Ça, tu peux comparer. Parce que lundi, mardi, mercredi. Et encore mardi. Mardi, comme. Je sais pas d'ailleurs si aux États-Unis, le mercredi, les enfants ont pas cours. Je sais pas. Bref. Si, ils ont pas cours. Donc, en fait, c'est très complexe de comparer les trucs. Parce qu'il y a effectivement les jours qui diffèrent. Il y a les chaînes qui diffèrent. Il y a la fusion horaire qui diffère, et effectivement le fuseau horaire. Donc c'est toujours très complexe à comparer. Je pense qu'on a le droit de comparer Raw et Dynamite, parce que c'est lundi soir, mercredi soir, pour moi c'est... Et surtout, en vrai, le pire de ça, en fait, c'est aussi incomparable, dans le sens, il y a trois fuseaux horaires aux États-Unis. Selon l'état où vous vivez, en fait, vous n'aurez pas du tout la même tranche d'horaire. C'est vrai. Tu vas les lire. Et puis, tu vois... C'est chaud. Je fais pas de mauvaise foi, parce que je pense qu'on peut même pas comparer NXT et Dynamite, du coup. Depuis qu'NXT est le mardi soir, parce que le mardi soir, la télé est beaucoup regardée du coup par les enfants, les films, etc. Et puis NXT qui est très regardé par les enfants, on le sait très bien. non, mais voilà, c'est tout ça pour dire, voilà, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est très complexe à comparer. Pour moi, les seuls shows qui sont aujourd'hui, bon, au début on avait NXT et Dynamite, mais qui sont aujourd'hui logiques à comparer sont Raw et Dynamite. Et encore, il y a bon. Mais à la limite, je trouve ça logique de les comparer et intéressant. Mais c'est les seuls, quoi, parce qu'après, il y a trop de choses qui fluctuent et qui rentrent en compte. Donc voilà, le buy-in diffusé gratuitement sur YouTube avec Tay Conti contre Santana Garrett pour ouvrir ce buy-in. Alors c'était les débuts télévisés de Santana Garrett du côté de Heat Racing. Elle avait déjà fait deux apparitions du côté d'AEW Dark, dont un combat où elle a perdu. Face à Diamante.
Putain, je viens de me spoil le Rampage de la semaine prochaine. Putain, je suis vraiment un idiot, bordel. Bon, c'est pas un gros spoil. Donc, Santana Garrett, Tay Conti, d'ailleurs, fun fact, c'était un combat lors du premier NXT qui a battu Dynamite dans les ratings. Donc il y a 2 ans de cela, il y avait Tay Conti contre Santana Garrett, puisque Santana Garrett, hein, je vous rappelle, fraîchement licencié de WWE. Tay Conti va battre Santana Garrett en un peu moins de 5 minutes, dans un combat que j'ai trouvé très efficace. Santana Garrett ne m'a pas plu dans sa première partie de combat, où je l'ai trouvé en énorme manque de fluidité, et très mauvaise. Il y a eu des miscommunications de fou, j'ai l'impression aussi, dans ce match. Hein. Dans la première partie de combat, très mauvaise dans ses enchaînements. Et dans la deuxième partie de combat, bien plus efficace parce qu'on sent que c'est quelque chose qu'elle gère un petit peu plus. Grosse mention à Tay Conti que j'ai trouvé, encore une fois, génial. J'avais aussi l'impression, en fait, qu'il y avait trop de moments dans le combat où les deux se regardaient. Tu vois, pour limite, genre, fais quel spot ensuite. Tu vois le délire ? Mais c'était surtout en début de combat. Askip, c'était bien meilleur que leur match chez NXT. Ça c'est normal. Quand on voit les progrès de Tay Conti... C'est logique. Ouais. Donc voilà, victoire du Tay Conti, évidemment. Santana Garrett, pardon, j'insiste, je ne veux pas de toi. Et c'est pas une catcheuse pour le style américain, j'ai l'impression. Elle a du mal. Franchement, c'est un showing, mais lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est pas Santana Garrett dont je me souviens. J'ai peur qu'elle signe chez AEW alors qu'il y a tellement plus de profils intéressants. Quoi. On embrasse Mercedes Martinez, hein, qui apparemment va signer chez Impact. On a eu la veille, je crois, ils ont diffusé le Road to, que j'ai pas eu le temps de voir, oui, parce qu'il durait 25 minutes. Et donc là, pendant le buy-in, ils vont remettre des petites promos, dont la promo pour le combat entre le Inner Circle de Jericho, Hager et Guevara et l'American Top Team, représenté par les Men of the Year et Junior Dos Santos, qui fera ses débuts dans un ring de catch. Donc voilà, on revient un petit peu sur la promo. La promo est excellente. Il y a Dan Lambert qui met un peu over l'American Top Team. Il rappelle que c'est quand même des vrais combattants de MMA, quoi. Et puis il revient aussi sur Jorge Masvidal, qui, on rappelle, sera aux côtés de l'American Top Team pour ce combat. Il faisait également ses débuts télévisés du côté de Elite Wrestling. C'est Monsieur Lee Moriarty. Qui va perdre face à Bobby Fish en 8 minutes. Bobby Fish qui prend sa première victoire chez All Elite Wrestling après avoir perdu face à Sammy Guevara pour le championnat TNT la semaine dernière à Dynamite. Dans un excellent combat, voilà, le seul bémol c'est que c'est 8 minutes. Franchement, pour un combat de 8 minutes, c'était super bien condensé. Alors, moi ce que je reproche, c'est qu'on nous a offert un début de combat. Ça, c'était qu'un début de combat, ces 8 minutes. J'ai vraiment eu cette impression de on arrête un combat comme ça d'un coup, et là les 8 minutes pour moi c'était qu'une première partie de match qui aurait dû durer 12-13 minutes, et c'est ma frustration. Je sais pas si j'ai mis 3 ou 3 et quart, mais je pense que j'ai mis 3, ça mérite 3 et quart, mais je pense m'être arrêté 3 et quart. Ouais, je pense m'être arrêté à 3 par rapport à ça, ce côté pourquoi ça s'arrête maintenant, pourquoi, bon. Alors ça a permis. T'es resté sur ta fin, quoi. Ouais, c'est ça. Victoire de Bobby Fish. Ravi de voir Lee Moriarty faire ses débuts. Et on l'a appris, mesdames et messieurs. On le savait déjà, Lee Moriarty avait vu Tony Khan lui offrir un contrat lors d'un taping de Dark Elevation. Sauf que ça n'avait pas été diffusé à Dark Elevation. C'était assez étonnant. Et c'était pour attendre quelques semaines et nous annoncer directement sur Twitter que Lee Moriarty is All Elite. Je pensais pas qu'il allait avoir son graphique. Donc là, on sait qu'il est vraiment signé. Lui aussi, tout comme Daniel Garcia, est apparu sur le site, sur la page du roster du site d'AEW. Mais la différence, c'est que lui, il a eu son graphique isolate, contrairement à Daniel Garcia. Oui. Peut-être qu'ils attendent le bon moment pour Daniel Garcia, tu sais, qu'il ait une victoire à Dynamite ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Un bon show, en tout cas. Je suis ravi pour Lee Moriarty. Et mesdames et messieurs, on vit dans un monde où faites un programme autour de Daniel Garcia, Lee Moriarty, Wheeler Yuta et Bryan Danielson, je sais pas, qui les prend sous son aile, je sais pas. Racontez un truc avec ces trois là qui sont trois des meilleurs catcheurs techniques, qui étaient, du moins il y a quelques mois encore, trois des meilleurs catcheurs de la scène indépendante sur le plan technique, grappling, groundwork.
et Monsieur Bryan Danielson, quoi. Et en parlant de Monsieur Bryan Danielson, alors avant ce main event, on récapitule un petit peu, pas la feud, parce qu'il n'y a rien, mais un peu l'historique de Bryan Danielson chez All Elite Wrestling et de Minoru Suzuki chez All Elite Wrestling, l'anticipation autour de ce combat, puisque oui, vous ne rêvez pas, Bryan Danielson affronte Minoru Suzuki sur YouTube. C'est un taré, Tony Khan, c'est un taré. Il met ça sur YouTube, c'est trop bien. C'est j'adore le meilleur combat de pré-show. De pré-show ever. Bon, bah, c'est 4,5, c'est un chef-d'œuvre. C'est. Voilà, je. J'ai pas les mots parce que. C'est 4,5 points, j'ai envie de vous dire, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on a réellement besoin de se justifier? C'est juste un putain de combat, c'est trop bien. Alors, fun fact. Vas-y. Oui, vas-y, attends. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir Bryan Danielson dans ce dans ce côté New Japan. C'était un combat très New Japan où il va y avoir ça une énorme. Ça fait rappeler genre des Suzuki Ishii, des Shibata Ishii aussi. Je trouve qu'il y a un gros côté Shibata dans ce style-là. C'est-à-dire un gros slugfest où on va amener un petit peu de technique à un moment. Et Bryan Danielson qui va battre Minoru Suzuki sans réelle surprise, mais Minoru Suzuki, les gars, je le rappelle, hein, 53 putains d'années, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Il va s'arrêter où, ce gars? C'est pas possible. Fun fact, il devait pas être booké de base pour le Rampage et encore moins pour le buy-in. Du coup, il était en terrasse de son hôtel. Il était en terrasse, il partait ensuite acheter un café à Starbucks pour se poser tranquillement dans la ville, tu vois. Puis il a reçu un appel de son agent lui disant est-ce que tu t'aimerais bien World Bryan Danielson à Rampage? Il y a Tony Khan qui veut ça et on a eu les accords avec New Japan. Est-ce que tu veux le work? Il a dit banco tout de suite. Mais quel homme. Le mec, au bout de son café, on l'appelle au téléphone en début de semaine pour lui dire ça. C'est trop bien. Et puis là, il se pointe, il te sort un match, mon gars. Suzuki. C'était pas la première fois entre les deux. Ils s'étaient affrontés chez New Japan en 2004. Mais c'était. J'espère qu'ils vont le mettre d'ailleurs sur le New Japan World, un de ces quatre, ce match. Mais on parlait même pas de Bryan Danielson encore, hein, c'était l'American Dragon. Donc voilà. Bryan Danielson est au-dessus du monde. Il y a ce face-off qui finit avec un énorme forearm de Suzuki et un Danielson décédé. C'était un combat fabuleux. Le ceiling de Bryan est super. Non mais c'était dingue. C'était dingue et c'était gratuit sur YouTube. Et bon, il y a des gens qui se sont plaints de ça et faut comprendre deux choses. Est-ce que vous préférez attendre potentiellement Full Gear et probablement ne jamais avoir ce combat de votre vie parce que Minoru Suzuki il n'est pas contracté par AEW, hein, ou l'avoir gratuitement sur YouTube, et deuxièmement avoir Minoru Suzuki contre Bryan Danielson à Full Gear, d'accord, mais Bryan Danielson, bon, l'intérêt c'est pas de le faire affronter en pay-per-view, surtout quand il est déjà dans une storyline contre l'élite. Suzuki n'est dans aucune storyline, c'est ça, et puis surtout en pay-per-view, c'est ça, au bout d'un moment il a d'autres programme, il a d'autres projets, Tony Khan pour Bryan Danielson, quoi. Il est signé dans la compagnie, ce qui n'est pas le cas de Minoru Suzuki. Là, faut juste prendre ça comme du bonus, comme un dream match. On ne devait pas l'avoir, genre Suzuki, là, tu vois, il était tranquille chez lui, enfin, chez les dans son hôtel. Les gens se sont plaints du fait qu'il n'y ait pas de storyline, que ce soit donné comme ça, mais Minoru Suzuki n'est pas contracté par All Elite Wrestling. Qu'est-ce que tu veux faire une storyline? C'est ça le truc. Il n'est pas contracté par AEW, donc effectivement il peut venir, mais t'as pas le temps d'avoir un programme, parce qu'à tout moment New Japan ils disent Minoru tu rentres. Bah, même oui, c'est ça. Après Minoru est pas techniquement il est freelancer, mais on sait, bon, voilà, il est quasiment contracté par New Japan. Voilà, c'est un peu comme genre Sanada. Ouais, c'est ça. Il est pris comme ça. Donc voilà, c'était fou, c'était que le buy-in. Bon, c'était le meilleur match de la semaine chez All Elite Wrestling de loin. Oui. Et... donc pour Rampage, le main show, pardon, nous commencions avec l'entrée de CM Punk. Matt Sydal qui a une entrée donc pendant le buy-in. CM Punk contre Matt Sydal. Je suis pas fan de ce combat.
Je vois beaucoup, beaucoup de, d'avis extrêmement positifs. Moi, j'ai trouvé ça bien sans plus. C'est-à-dire que je trouvais ça trop long pour ce que c'était. J'ai pas compris le catch que proposait Matt Sydal. J'ai pas compris. Par contre, sur la prestation individuelle, c'est la meilleure prestation individuelle de CM Punk depuis son retour dans le ring. Oui. Mais je n'ai pas compris le catch de Matt Sydal. Je n'ai pas compris l'histoire qu'ils ont essayé de raconter. Je trouve qu'ils sont passés à côté de l'histoire de ce qui aurait pu être raconté entre deux vétérans. Alors que CM Punk, c'est la première fois depuis son retour qu'il affronte un vétéran. Donc oui. Voilà, si je dois émettre ça sous une note, c'est 3 écarts pour moi et pas plus. Parce que j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu raconter. J'ai trouvé ça trop long pour ce que c'était. Pour moi, ils sont passés à côté de ce combat. Hormis CM Punk, qui dans sa prestation individuelle était la plus pertinente. C'est du coup, pour moi, le moins bon combat depuis son retour, mais sa meilleure prestation individuelle. JMD, toi, sur ce combat, est-ce que t'es de l'avis de la globalité ? Je suis plutôt l'avis de la globalité. J'ai noté ce match 3 quarts, perso. Je suis une demi-étoile de plus que toi. Justement, moi, j'ai trouvé, en fait, Sydal, il a un style vraiment différent. Et je me rappelle, il y a quelques jours, justement, je m'étais maté un Sydal, enfin, à Evan Bourne contre Punk. C'était vraiment genre le Evan Bourne que tu connais, vraiment High Fly. Et là, pour le coup, avec ce changement de style, perso, j'ai beaucoup apprécié. Ben moi, je trouve que ça fonctionne très bien avec des jeunes. Mais là, je trouve que ça n'a pas fonctionné. J'irai peut-être revoir ce combat, mais ça me fait chier de repasser 15 minutes devant un match que j'ai pas spécialement apprécié. Mais j'irai peut-être le revoir. Enfin, je pense que j'irai le revoir. Mais je trouve que ça marche très bien avec des jeunes, voilà, avec les Dante Martin, les Lee Johnson, les machins. Mais ouais. Avec un mec comme CM Punk, je vois pas ce qu'ils ont voulu nous raconter. Et je pense ce qu'ils ont voulu raconter, c'est que, parce que j'ai aussi fait ce rapprochement, Sydal a eu étonnamment énormément d'offense. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant d'offense dans le match. Et je pense qu'ils ont voulu raconter, c'est un Sydal en fait qui certes est maintenant vétéran, certes il a commencé en même temps que Punk, mais lui il a pas eu ses 7 ans de pause, tu vois le délire. Depuis, il a eu le temps justement de changer son style entre guillemets. Et Punk, il s'est fait pas mal de fois bouffer dans le combat. Enfin, quand je dis bouffer, pas qualitativement parlant, bien sûr, mais il a eu quelques near falls quand même, Matt Sydal. Donc, je pense que l'histoire, ça s'est construit là-dessus. L'histoire s'est construite là-dessus. Après, moi, ça m'a pas dérangé spécialement en fait qu'il change un peu plus de registre. C'était intéressant, c'était à tester. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le combat. Matt Sydal, tu vois, il est. Je le trouvais étonnamment bon. Toi, tu le trouvais pas très bon, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce Matt Sydal-là, personnellement. Non, je suis passé totalement à côté. J'ai trouvé ça même ennuyé sur certaines phases. Donc voilà, victoire de CM Punk qui est en 5-0 contre Matt Sydal. Oui, ça c'est terrible. Hein. il a battu deux fois du côté d'IW et Mid-South dans leur début de carrière respectif et deux fois chez WWE en moins de 5 minutes d'ailleurs. Ouais. Voilà, et post-match ils vont se prendre dans les bras. Je vous en reparlerai peut-être si j'ai le temps de revoir le combat, mais je sais pas si j'aurai le temps. Voilà, je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine. On a une promo backstage du Dark Order et John Silver va call out la super click et ce sera officialisé le lendemain dans la journée pour Dynamite. Robbie Soho va battre le Bunny en 8 minutes. Bon, c'est très classique. C'était honnête. Ouais, c'était là. C'était honnête. C'était là, pas grand chose à dire, une victoire assez facile pour Robbie Soho, mais qui post-match va se faire attaquer par Penelope Ford. Et vous allez me dire que personne vient aider Robbie Soho. Robbie Soho qui est venu aider. Alors attends. C'était Riho et ouais, Chris Statlander. Mais par contre, Riho Statlander, non, elle s'en fout de Robbie Soho. Anna Jay Tay Conti, qui était en feud pendant 8 mois. On n'a plus revu Statlander, Riho d'ailleurs. Match est rempli, tu vois, c'est terrible. Je comprends pas. Ça fait aucun sens que personne ne vienne aider
cette bonne Par contre, étonnamment, ça fait et ça fait pas mal de semaines d'affilée qu'on vole Bunny et Penelope Ford, par contre. Oui, j'en ai marre. Et Penelope Ford qui, d'ailleurs, affrontera Kiera Hogan à Dynamite. Ça a été annoncé également. La split-screen interview avant le main event, je vous rappelle, entre le Inner Circle de Chris Jericho, Jake Hager et Sammy Guevara, le champion TNT, face à l'American Top Team des Men of the Year et Junior Dos Santos. Donc là, la promo, toujours lead par Marc-Henri. Le Inner Circle vont dire on n'a pas peur, même d'un Junior Dos Santos. Donc le combat est aussi ce qu'a proposé Junior Dos Santos pour ses débuts dans un ring. Moi, je l'ai trouvé décent. Il a proposé ce qu'il avait à proposer, des strikes, des takedowns. Bon, rien de bien. Par contre, l'outfit, c'était pas possible. Moi, c'est un truc qui me pète les burnes. À chaque fois que t'as un MMA crossover, les mecs ont des shorts immondes. Putain, mais ouais, c'est toujours des shorts ou des trucs. L'outfit de Ronda Rousey, putain, mais c'était immonde. Faites un effort, les gars, sur les outfits. Même l'outfit de Jake Hager, elle est moche. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est... À chaque fois, c'est de la merde. Donc, faites un effort sur les outfits, ça m'énerve. Alors, avec un combat... qui est très, 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 très brouillon, mais tout autant divertissant à mon sens. J'ai beaucoup aimé le hot tag de Sammy Guevara, j'ai beaucoup aimé le travail de Jake Hager. Oui, oui, vous ne l'avez pas. Étonnamment. J'ai beaucoup aimé le travail de Jake Hager. Après, genre, Jake Hager, lorsqu'il sort les doigts du fiac, tu vois, il peut faire de bons trucs, mais c'est rare, c'est ça le truc. Et là, il y a une histoire, voilà, Jake Hager, qui lui aussi est toujours invaincu en MMA, alors lui c'est... Juste les gars, ne faites pas de MMA catch fight comme l'année dernière. Juste ça, c'est tout. C'était pas l'année dernière, hein, c'était il y a 6 mois ça. Oui, enfin, ils l'ont fait en 2021. Enfin, ils ont fait en 2020. Non, en 2021. Ah non. Putain de merde. Ouais, c'était l'un des derniers shows à huis clos. Enfin, oh la vache. C'était ouais, il y a 6 mois quoi. Jake Hager, Junior Dos Santos, l'opposition était très intéressante. Il y a ce qui va se passer à l'extérieur. La production à un moment va totalement chier un spot où tout, t'as tout le public qui fait oh, et nous on est là, bon il s'est passé quoi. Et ils ont pas montré de replay quoi. Au moins, bon vous vous foirez, c'est pas très grave, mais montrer direct en replay, on n'a pas vu. Donc ça m'a un peu saoulé. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est hyper brouillon. Mais c'est, je trouve, hyper divertissant. Techniquement, c'est pas un très bon combat, c'est brouillon. Il y a même des erreurs de la prod, mais j'ai été giga diverti. Grosse mention pour le hot tag de Sammy Guevara. Et encore une fois, dans ce côté hyper brouillon, la fin de match avec Jorge Masvidal, qui va foutre le même coup de genou, alors pas le même, hein, il va foutre le coup de genou qu'il avait déjà mis à Chris Jericho il y a quelques semaines. Il va lui remettre, sauf que là, bon, pas touché haut, pas touché haut, hein, comme dirait Brandao. Il a pas touché haut. et donc non, c'était ridicule. Jorge Masvidal qui offre la victoire à Scorpio Sky, qui va encore pin Chris Jericho. Donc ouais, c'était hyper brouillon. Cette fin de match est ratée. Et puis même le coup de genou, ils auraient pu le mettre sous un autre angle pour que la prod. Voilà, c'était brouillon, oui, de fou. Comme le premier coup de genou sur Jericho, c'est ouais, sur bah, un très bon angle. Tu bah, vois, je pense que le premier, il le touche pas non plus. Mais l'angle. Oui, le de premier, Guevara, il touche pas non plus, mais l'angle était très bien, tu vois, pour le cacher. Évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas le toucher. Non, c'était brouillon, mais j'ai bizarrement apprécié ce qui s'est passé. Et est-ce que c'est là que post-match l'American Top Team les attaque? Est-ce qu'il y a eu ça? Merde. Oui, c'est celui-là. Si, si. Ouais, c'est celui-là. Et Ortiz et Santana vont venir faire le save pour revoir le Inner Circle au complet. JMD, toi, ton avis sur le combat? J'ai trouvé hyper divertissant, c'était fun. Pour clore, genre des émissions comme Rampage, pour moi, je trouve que c'était hyper bien. Voilà. C'était pas le meilleur des combats qualitativement en in-ring, mais ça va, c'était décent, j'ai passé un bon moment. Et ça continue, American Top Team contre Inner Circle. Après, même si je piche toujours pas l'association Men of the Year et American Top Team, je commence un peu plus à apprécier American Top Team en vrai de vrai. Donc ça va. Et on en reparlera pendant Dynamite. Saturday Night, ouais. You know what that means. Dynamite, cette fois-ci, c'est abonné. Ouais. Opener de la... Enfin non, techniquement, ça a commencé avec une entrée de CM Punk, qui sera le guest commentateur de ce soir. Encore une fois.
CM Punk aux commentaires. Faites que ça arrive chaque semaine. Bon, ça va toi? Oui, ça va. J'ai, on a un rec là, peut-être 30 minutes. J'avais oublié de réactiver mon micro parce qu'il y a eu un bug à ce moment-là. Donc j'ai oublié de réactiver mon micro. Donc on est reparti. JMD, Malakai Black. On va aller vite là, les gars, sur le début. Désolé, mais on va aller très vite. Malakai Black, Dante Martin, s'il était l'open de la soirée. Malakai Black va l'emporter pardon, en 9.38 avec un Black Mass après une tentative de springboard sur une jambe ratée de Dante Martin. Très bon showing de la part des deux catcheurs. Meilleur prestat de Black selon moi, j'ai mis 3.5. Ouais, voilà, c'était effectivement peut-être le meilleur combat de Malakai Black depuis qu'il est arrivé sur l'Elite Wrestling, parce que c'est la première fois qu'on a un vrai combat compétitif. Il y a eu ce combat contre Cody Rhodes, mais qui était plein d'overbooking. Et même là, un peu compétitif, mais un peu dans la même idée que Lee Johnson, avec une surdomination quand même de Malakai Black, qui va se concentrer sur la jambe de Dante Martin. Et j'ai beaucoup aimé le selling de Dante Martin. Le fait que Malakai Black travaille sur la jambe de Dante, ça peut paraître étrange. Il n'y a pas spécialement... il n'a pas spécialement de prise de soumission ou quoi, mais finalement, bon, ben, Dante Martin, il joue énormément de ses jambes. Il a, je trouve, quasiment parfaitement ce qu'il avait à celle. Hormis, il y a un moment où il va celle, et puis juste après, il place un springboard comme si de rien n'était. Bon, voilà, on sent que le mec n'a que 20 piges. Mais voilà, il y a je trouve un vrai bon combat que je trouve. Alors j'ai vu beaucoup ta vie sur Cage Match encore une fois. Bon, encore une fois, je passe un petit peu à côté, je le trouve très surcoté, mais bon, toi tu as dit que t'as mis 3.5, pour moi c'est 3.5, voilà, c'est proche du 3.5, j'ai un petit peu hésité à mettre le 3.5, mais je reste sur 3.5. Après là, je vois sur Cage Match, c'est 7.51, donc on va dire c'est 3.3 quarts. Beaucoup 3.3 quarts. Je trouve ça quand même bon. Mais non, c'était très bien, mais voilà, on sent quand même qu'il y a encore une surdomination de Malakai Black. On sent aussi que ça reste un projet un peu à la Miro, où on va prendre son temps, on va l'amener dans la mid-card. La seule différence ici, c'est que bah, Miro, le booking était mauvais. Là, Malakai... On en reparlera de Miro, d'ailleurs. Ouais, là, Malakai Black, le booking est bon, quoi. Même ouais. S'il reste en mid-card. Donc... Ouais, voilà, c'est ça qui me dérangeait avec Miro, hein, c'est que au-delà du fait... Je m'en battais... Alors, pour moi, c'est de la mid-card, hein, Miro. Jamais de la vie de White Main Eventer. Mais beaucoup de gens le voulaient le voir en Main Eventer, etc. Et j'avais vu des gens dire, oui, on prend son temps avec Miro. C'est pas ça qui me dérange. Moi, justement, j'aime bien quand on prend son temps. Mais c'était mal fait. Là, avec Malakai Black, c'est bien fait. Donc voilà, victoire de Malakai Black. Et post-match, il y a ce truc très cool où Malakai Black va faire un petit hochement de tête à Dante Martin en mode, je te valide. Ouais, et, c'est 100%. Et l'overness de Malakai Black, ça fait vraiment plaisir. Et Dante Martin qui continue à évoluer maintenant aux côtés de la Yoroche. On va aller vite aussi sur la promo donc, du Inner Circle. Ouais, backstage déjà, Jurassic Express se fait interviewer par Tony Schiavone, mais la Super Elite vient attaquer le Jurassic Express en notamment mettant Luchasaurus à travers une table dans une powerbomb à 3. Pour rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière. Exactement. Qui a été promo repris dans Being the Elite, c'était assez drôle. Ouais. Promo in ring, ensuite Inner Circle. Santana commence à parler au micro quand Dan Lambert et les Menos hier les interrompt. Ah oui, il y avait aussi l'American Top Team. Jericho demande à Paige Van Zandt si elle est obsédée par lui et si elle va essayer de se glisser dans 7e. Toutes les blagues sont terminées, cependant, vous voyez devant vous l'Inner Circle réunifié ici à Miami ce soir. Nous sommes prêts à 55, nous voulons qu'Inner Circle affronte American Top Team et les Men of the Year, décrit Jericho. Nous avons de plus gros projets, répond Dan Lambert. Les Men of the Year ont les yeux rivés sur l'or, Sammy va-t-il faire un pas en avant et accepter nos conditions? Je le dirai la semaine prochaine. Pas ici, dans cette ville que j'appelais avant ma ville de naissance. Chris Jericho, ton cerveau est peut-être un peu embrumé après le coup de genou reçu par Jorge Masvidal hier soir, pardon. Mais n'oubliez pas que j'épine le GOAT, non pas une, mais deux fois, dit Scorpio Sky. Je suis le TNT Champion, je suis le Spanish Blue God et je vais vous botter le cul à tous la semaine prochaine. Fini, Sammy Guevara. Donc ça va... Je sais pas si ce sera à Full Gear. Oui. Bah après si on suit la carte de Tony entre guillemets, ce sera à Full Gear. Mais je pense que ça sera à Full Gear parce que voilà, ça permet en plus de caser un petit peu beaucoup de monde. Je suis étrangement hypé, c'est la première fois que ce programme me hype enfin parce que j'ai trouvé l'enchaînement avec le combat très divertissant de Rampage et là cette promo à Dynamite très efficace. J'aime beaucoup le running gag du fait qu'on peut pas entendre Dan Lambert à chaque fois qu'il parle.
tellement il se fait huer. C'est toujours assez cool à voir. Et, c'est un aimant de hit, ce mec, c'est trop bien. Et donc, la question, c'est lesquels des trois seront représentés à... Parce que du coup, alors attends, on a les Men of the Year, et ce sera un 5 contre 5. Donc il en reste 3. Ouais. Est-ce que Junior Dos Santos va recatcher? C'est pas impossible. Jorge Masvidal, ça paraît logique. Hein, c'est quand même l'élément central là, autour de Chris Jericho. Et la troisième personne, est-ce que ça pourrait être le mec de Paige Van Zandt? Est-ce que ça pourrait être l'autre là, qui ressemble à Vladimir Kozlov? Je sais même pas s'il était là cette semaine. Alex Arlovski, si, il était en background, je crois. Ou est-ce que ça pourrait être Paige Van Zandt? Je pense pas. Moi, je trouve ça très étrange parce que Chris Jericho, il s'est effectivement attaqué à l'American Top Team, mais il s'est quand même concentré sur Paige Van Zandt. Oui, après, on va être honnête, c'est l'attaque facile, tu vois le délire. Ouais, c'était l'attaque facile verbale. Mais justement, je me dis, est-ce qu'elle elle pourrait pas dire, vas-y, je viens du MMA, j'ai pas peur, même si je suis une meuf, je vais te défoncer. C'est pas possible que Paige Van Zandt soit dans le 5v5. Surtout que les mecs d'American Top Team, je vais reprendre l'anecdote tout de suite, se plaisent chez Elite Wrestling. Donc ça m'étonnerait même pas s'ils deviennent catcheurs-catcheuses ensuite. Surtout que chez Elite Wrestling, comme le contrat du Jake Hager le stipule, ils peuvent continuer le MMA. Donc il n'y aurait aucune raison pourquoi les mecs ne peuvent pas catcher. Parce que voilà, ils veulent devenir catcheurs. Enfin, Paige Van Zandt, on le sait, il y avait des contacts avec WWE. Et puis je pense que si ça se passe bien à Full Gear, c'est pas impossible de voir ces mecs-là devenir potentiellement full-time. Et c'est des beaux noms quand même, Paige Van Zandt. Junior Dos Santos, ancien champion du monde. Paige Van Zandt, oui, c'est une très grosse star du MMA. Jorge Masvidal, quand même un gros nom aussi du UFC. Il a quand même squash Conor McGregor, le poteau. Ouais. Il a aussi le record du knockout le plus rapide, 5 secondes, je crois, chez UFC. Donc c'est pas mal. Et. Les gars, pour ceux qui disent qu'AEW ne crée pas de stars, vous les aurez. Vu que ce sont des produits purs, AEW s'y signe. Bon, là, techniquement, non. Plus des... C'est un peu des gars UFC, quand même. Oui, non, mais dans le catch, ce serait des produits, ouais, entre guillemets, plus... Ouais, là ça compte pas. Genre, imagine, tu vois... Imagine, il ramène Stéphane Amel. Écoute, il y en a, ils comptent bien Ronda Rousey comme produit pur de jeu, donc j'ai envie de te dire. Non, mais genre, quand WWE a ramené Stéphane Amel, tu disais pas, bon... Tu vois, c'est genre... C'est un produit pur de jeu. AEW, ils ont encore piqué un gars. Ah. Non, mais voilà. En tout cas, je suis étrangement enfin hypé par ça. J'ai hâte de voir qui seront les trois. Du coup, ça va être trois catcheurs qu'on n'aura jamais vus dans un ring. Même s'il y a Junior Dos Santos, bon, il aura fait un combat, quoi. Donc, je suis assez impatient. J'ai hâte de voir. Et je trouve que c'est bien pour caser pas mal de monde, pour caser à la fois Jericho. Un peu dommage que Sammy Guevara ne défende pas le championnat TNT si c'est bien à Full Gear. Mais à la limite là ça ne me dérange pas parce que du coup ça casse pas mal de monde et c'est plutôt cool et non je suis plutôt content de ce qui a été proposé là-dessus. J'avais peur quand même. Ensuite, AAA World Tag Team Championship Match. Les Lucha Bros remettaient leur titre en jeu contre les deux amis d'Andrade, deux amis masqués en tenue verte et noire, la Super Ranas. La Super Anas, bon, on a. Moi, perso, j'ai reconnu FTR en 3 secondes à peu près. 4 secondes. C'est. Non, voilà, bon. FTR qui était sous les masques. Et là, quand tu comprends que c'est FTR, tu te dis. Pourquoi ? FTR et Andrade El Idolo ont environ zéro chose en commun. Rien. Hormis. ils sont catcheurs professionnels, ils ont été chez WWE, ils sont chez AEW maintenant. Fin des points communs. donc il n'y a rien quoi. Et les mecs, on nous avait vendu ça comme des catcheurs masqués proches d'Andrade, connus pour être proches d'Andrade. Alors ça déjà c'est un mytho, ça va être expliqué après, ça va être très bien expliqué, très bien amené. Mais ça par contre c'est faux. Connus pour être proches d'Andrade, non. FTR ne sont absolument pas connus pour être proches d'Andrade. Donc ça déjà c'était un mytho. Je suis pas fan du foutage de gueule. Heureusement, et c'est comme beaucoup, beaucoup de fois chez All Elite Wrestling, il y a MJF qui passe par là, qui explique un truc. On se disait, attends, c'est quoi cette merde? Et il y a MJF qui vient et qui explique un truc, et c'est du génie. Donc voilà, finalement, ok, pas de soucis là-dessus. FTR Lucha Brothers, c'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. Deuxième fois chez All Elite Wrestling, bien sûr. La première fois, c'était très chouette, mais j'étais déjà un peu resté sur ma faim. Là, je reste un peu sur ma faim, mais pour des raisons évidentes, ça va durer 8 minutes. On était sur un truc un petit peu. Un petit bon qui va servir de build-up à Full Gear,
puisque FTR vont battre les Lucha Brothers, un GMD. Ouais, en 8-12 avec un coup de ceinture de Dax sur Phoenix qui faisait un moonsault. Très beau d'ailleurs, un coup de ceinture en mode. Suivi d'un Brainbuster. Voilà. Et donc ils deviennent champions par équipe AAA. FTR qui ont été champions par équipe Raw, SmackDown, NXT, donc les trois chez WWE, AEW, AAA. FTR sont champions par équipe AAA. Est-ce que vous vous rendez compte ça? C'est ouf. C'est fou. 853 jours de règne qui se terminent comme ça. 853. Au Mexique, ça fait parler. Alors, lorsque le micro a coupé, en fait, j'ai pu trouver justement des trucs. C'est que Rivna, tu avais dit que les titres ne comptent pas au Mexique. C'est faux, ils comptent pas chez CMLL. Ils comptent énormément chez AAA par contre. Attends, mais qui est l'actuel champion de AAA? Kenny. Oui, ah mais oui, c'est ça. Oui, en voilà. Fait. C'est... Non, mais justement, c'est ça en fait où vient aussi la controverse. C'est que Conan, qui est le booker actuellement de AAA, veut un job chez Elite Wrestling et essaye de se faire bien voir. J'avais pas ce temps. Et oui. C'est en génial fait... ça. Vas-y, on met tout le monde. Ah, mais c'est drôle. Et oui. C'est pour ça que ça gueule au Mexique. Mais lui, c'est vraiment un bouffon, ce connard. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'au Mexique, les gens veulent que Conan se fasse signer par Elite Wrestling. Pour non, comme mais... ça, en fait, on se débarrasse de Conan et puis que les titres aient une vraie valeur. Parce que c'est bien, c'est autour des reins de Kenny Omega. Là-bas, ils connaissent Kenny, tu vois, c'est un excellent catcheur sur le Mexicain. Mais en même temps, on voit jamais le titre. On voit non, jamais mais... le titre. Attends, et mais Conan, c'est quand même. Lui, vraiment, il a l'air complètement con. Il a dit récemment, je comprends pas pourquoi Fuego del Sol il a signé juste parce que c'est le pote de Sammy Guevara. Merci Conan, toujours très pertinent. Non mais là on ne peut s'en prendre qu'à AAA. Faut comprendre oui, ça aussi. Oui là, c'est oui, comme... là pour le coup c'est 100%, c'est 100% AAA. Hein. C'est comme les trois fans d'Impact Wrestling en France qui ont dit... AEW tue Impact. Alors ça c'est des génies. Alors c'est mes préférés hein, du monde. on les embrasse. C'est pas AEW qui book Impact. C'est ça. On peut s'en prendre qu'à Impact. Et là c'est pareil. C'est pas AEW à la limite. Ils ont dit est-ce que. Ouais c'est à la limite. Genre s'ils disent ouais demain Rich One pick Kenny Omega, ils peuvent juste mettre leur droit de veto. C'est tout. Ça s'arrête. Oui voilà. Mais ils sont pas avec un flingue sur la tempe de Bruce Pritchard et de Conan en disant. Fils de pute, tu vas faire ce que je te dis. Non, c'est pas. C'est au bout d'un moment, faut comprendre ça aussi. AEW. Et surtout, en fait, c'est que au Mexique, ça fait outrage parce que il y a quelques semaines ou jours, je me rappelle plus, mais on a eu un El Hijo del Vikingo et Laredo Kid contre Lucha Bros. Faut que j'aille voir ce match en vrai de vrai parce que l'affiche a l'air vraiment très gros. El Hijo del Vikingo est justement l'une des stars buldées par AAA actuellement. Star, je mets entre deux guillemets parce que ça star, fait deux pay-per-view d'affilée qui fait. Ouais, ça fait deux pay-per-view d'affilée que Conan fait perdre El Hijo del Vikingo. Alors que c'est vois, vraiment la star montante. C'est de ça, c'est comme si là vous voyez Full Gear et. C'est quoi le dernier pay-per-view? All Out, on a eu Kenny Omega qui se fait pin, comme ça. Tu vois là? C'est pareil. Et les fans, déjà, ils étaient pas contents, dans le sens où on voyait peu les Lucha Bros chez AAA, fallait qu'ils droppent les titres, ça faisait plus de 800 jours contre Laredo Kid et Laredo Kid et El Hijo de Vikingos, ça aurait été parfait. Ils l'ont pas fait, mais ensuite ils ont vu Dralístico et Dragon Lee, ils se sont dit ok, ils vont certainement attendre là, et là ils les font drop contre FTR. C'est une excellente équipe, FTR, je dis pas le contraire. Au Mexique, pour ceux qui connaissent FTR, ils disent aussi que c'est une excellente équipe. Mais ils n'ont rien à voir avec les titres AAA. C'est ça, en fait, le truc. Oui, bon, ça, à la limite, c'est pas dérangeant de voir. Oui, c'est pas dérangeant pour nous. Nous, on ne suit pas. Non, mais même pour eux, on sont. Enfin, c'est pas parce qu'ils n'ont effectivement pas du tout le style AAA, mais bon, FTR n'ont pas le. Oui, non, mais ils n'ont pas le style AAA, mais surtout, en fait, c'est juste parce que le booker veut se faire bien voir. Mmh. Ouais, allez-y, notre équipe AEW remporte les titres AAA. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, c'est pas du tout. La pierre, elle n'est pas jetée sur Elite Wrestling. Là, moi, je comprends Tony Khan. Au bout d'un moment, bon, ça sera Lucha Brothers, FTR à Full Gear, on imagine, hein, voilà, c'est quasiment sûr dans l'avant, mais. On peut pas en vouloir à Tony Khan d'avoir une aubaine pareille, d'avoir un Conan qui est complètement. Ouais, oui. Et là voilà. Mais après ça je peux comprendre du coup ceux qui sont outrés par cette défense, enfin que FTR remporte les titres. Moi ça me dérange pas, je suis pas fan de Lucha Libre donc je m'en fiche un peu.
qu'FTR soit champion triple A ou non. Mais même franchement, attends, pour les... Ok, je comprends la manière. La manière, de... là, ok, je suis fan triple A, je pense, voilà, ça me rend fou. Mais oui. Par contre, je suis fan triple A, je vois FTR champion par équipe, je suis refait, quoi. Enfin, oui, je suis refait, mais ensuite, quand je sais, en fait, ce que... Surtout, t'as déjà de très bonnes équipes dans ton roster, tu as le délire. Bah, enfin... non, mais c'est pas dérangeant, ça. GMD, c'est une recrue, tu vois. Enfin, on peut... En soi, c'est un peu... Ils vont aller les défendre, je pense, ces championnats par équipe triple A. Du moment qu'ils font pas une British Invasion, moi, ça me va. Hein. Je pense que la seule chose qu'on peut reprocher, là, à triple A, c'est la c'est manière... C'est Conan qui essaie juste de se faire bien voir. Voilà, la manière dont ça a été fait, et puis Conan. Mais non, mais voilà, c'est... Après, le fait qu'FTR gagne les titres, je trouve ça incroyable, même pour triple A, quoi. Oui, alors. Oui, surtout pour FTR. Parce que pour c'est FTR, impressionnant, pour tu vois. Non mais voilà, c'est très bien et moi je suis impatient de voir FTR catcher chez Triple A. J'espère que ça arrivera parce que bon, moi c'est mon équipe préférée en plus, mais je de les voir contre après Triple A. Moi je regarde Triple Mania et je regarde Raid et Reyes. Généralement c'est les deux shows annuels que je regarde. Et puis je regarde des combats par-ci par-là, mais voir FTR contre je sais pas des Rinettes d'Alere, donc qui est le clan de la Redo Kid, El Hierro del Vikingo et le troisième il a le masque de Sin Cara. C'est le même masque. Je vois. Peut-être Mystesis. Je sais pas si c'est Mystesis. Voir FTR contre des luchadors comme ça dans un environnement comme celui qui est Triple A, moi ça me plairait énormément. Donc j'espère que ça arrivera. Mais là du coup c'est une aubaine pour Elite Wrestling qui va pouvoir build. Oui, c'est une aubaine pour Elite Wrestling et honnêtement pour Triple A aussi, ils vont pouvoir découvrir FTR. Mais dans le sens où c'est le booker qui a fait ça juste pour se faire bien voir. Non mais je peux comprendre par contre que les fans de Triple A sont pas contents. Non, même si c'est Mixante qui gagne les titres. La manière est ridicule. Mais voilà, ça. En tout cas FTR qui vont aller chercher Lucha Brothers puisqu'ils viennent de battre les champions par équipe AEW. Et heureusement, on nous explique quand même ce qui s'est passé, quoi. Pourquoi FTR et Andrade. Oui. Juste un mot sur le FTR Lucha Brothers. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. Bon, là, je reste sur ma fin pour des raisons évidentes. La première fois, bon, c'était parce que c'était trop court, parce qu'il n'y avait pas de public, tout ça. Mais là, à Full Gear, j'espère vraiment qu'on va avoir un vrai combat de 20 minutes, un banger absolu. Parce que si à Full Gear, c'est encore décevant, bon, ben, c'est que les deux équipes n'ont pas d'alchimie. Hein. Et ça arrive, en vrai de vrai, ça arrive. Ça arrive, mais ce serait dommageable. Ce serait dommage. On parlait quand même de après, deux des trois meilleures équipes du monde. Après, là, on a eu un très bon avant-goût. Donc, je suis optimiste pour Full Gear. Ouais, bah, j'espère. C'est là, pour l'instant, pour moi, on a eu deux combats qui étaient deux avant-goûts. Même le premier, qui était un combat, bon, il y avait moins d'importance. Le premier, moins, j'ai quasiment aucun souvenir. Être honnête avec toi. Je pense que c'était Fight for the Fallen. Ou c'était, Oui, non, je vois où c'était, mais... J'ai aucun souvenir du match en lui-même. Genre, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui s'est passé durant le match. C'est tout. Mais ouais, à Full Gear, ouais, ça va être un putain de banger et ça va être super. Enfin, j'espère justement, parce que pour l'instant, j'ai pas ressenti grande alchimie entre les deux équipes. Ouais. On va en parler vite fait justement de la justification. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas noté dans mon truc, parce que je me rappelle plus dans quel segment c'était. C'était long. Je crois que c'était juste après Moxley Utah, non. Mais oui, on a eu FTR qui sont venus avec les titres, ils repartent dans les vestiaires et ils croisent évidemment Maxwell Jacob, Friedman, qui est là. T'as Andrade, il arrive aussi et il lui dit en cash ou en chèque. Le mec, il te dit pas bonjour, il te dit non, cash ou chèque. Maxwell, il dit les deux. Andrade lui donne les deux. Et ensuite, t'as MJF qui lui dit pour une soirée seulement, tu as FTR hein, pour toi tout seul. Andrade, il dit ok. Et ensuite, t'as MJF qui repart tout content, évidemment, qui est en tenue, puisqu'on le verra plus tard dans la soirée. Il dit merci, mi amigos. Et il en fait des caisses. Et il va reprendre ça dans sa promo d'après. Donc, j'ai beaucoup aimé justification. Encore une fois, ouais. MJF qui est extraordinaire. Andrade qui comprend c'est pas trop. C'est un bon monument national, ce mec. C'est incroyable. Ouais, Andrade, il comprend pas trop. Il qu'est-ce qu'il veut, lui. Donc c'était plutôt cool et non j'ai du coup bien aimé la justification, même si je trouve qu'on nous a un peu pris pour des cons quand même en nous disant des catcheurs connus pour être amis d'Andrade. C'est écrit d'ailleurs sur je l'ai pas là, mais sur l'image du combat, enfin sur le, je sais pas comment on dit, mais bon bref, sur le graphique. C'est marqué known as good friends of Andrade. Vous foutez de ma gueule, sans déconner, quoi. Bon.
J'ai envie de te dire. Bon, en vrai, à part Rouge, Dragon Lee, il y a qui réellement? Il a eu qui comme ami? Bah ouais. T'aurais aimé Charlotte Flair masqué? Et Lingo Bernabéz. Ouais. Bon, après, Naito est un peu mort actuellement, donc c'est un peu chaud. Backstage, Tony Chevalier interview Dante Martin et Lio Rush. Lio dit que Dante doit commencer à écouter ses conseils et qu'à partir de maintenant, Dante Martin aura un nouveau partenaire par équipe, lui-même, Lio Rush. Ça va être intéressant. Par contre, Darius t'embrasse, fait quoi? Ouais, ça fait quelques temps qu'on l'attend, hein, Darius. Je sais même pas s'il est apte en vrai de vrai. Mais ouais. John Moxley affronte Wheeler Yuta. Mox arrive, Mox domine, Mox fait peur à l'arbitre, Mox paradigm shift, Mox gagne 47 secondes, c'était un squash. Avec le beau teasing, mine de rien, de Moxley contre Orange Cassidy, j'en dirai pas plus. Ouais, non. Alors moi, dans un premier temps, j'ai pas compris pourquoi mettre Wheeler Yuta là, se faire squash par Moxley, pourquoi Wheeler Yuta, quoi. Enfin, on aurait pu mettre un catcheur local ou quoi. Surtout, c'était pas annoncé le match. Si, c'était annoncé. Début de show ou... Non, c'était à Rampage. Ils l'ont annoncé à Rampage. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage. Et puis finalement, bon, t'as ce regard d'Orange Cassidy à Moxley. Et puis on comprendra un petit peu plus tard pourquoi. Ouais, et Moxley qui commence vraiment à tourner. Genre, le mec fait peur à l'arbitre, tout ça aussi. Ouais, c'est... Attention. Backstage. Serena Deeb se fait interviewer par Tony Chevalier, encore une fois. Faut, les gars, embaucher des intervieweurs, parce que j'adore Tony, hein, j'en ai marre par contre de le voir dans chaque segment backstage. Vraiment. Elle se fait interviewer du coup par Tony Chevalier, puis elle se fait attaquer par Hikaru Shida, qui est un brawl des deux en backstage. Ils étaient où là? Ils ont fait où cette interview? Je sais pas. Je sais pas, dans un endroit bizarre de l'Elite Wrestling. Tout ce que j'ai retenu, c'est ce qu'a dit CM Punk en commentary. Serena Deeb a une très belle coiffure. C'est tout ce que j'ai retenu. On fait coucou à la Straight Edge Society, Luke Gallows, Jay Mercury et même Adam Cole. Match trio. Ah bah justement, parlant d'Adam Cole, la Super Clique, représentée par Matt, Nick Jackson et Young Bucks, ainsi qu'Adam Cole, qui affronte le Dark Order, représenté par Evil Uno, Alex Reynolds et John Silver. Dans un super spot fest, la Super League va l'emporter en 10-50 après un BT Trigger des Bucks, puis un lâchot d'Adam Cole sur Alex Reynolds. J'ai mis les 4. J'ai super adoré. J'ai superbement adoré. Je sais pas si c'est français, mais c'est trop bien. ouais, moi j'ai trouvé ça très fun. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un spot fest dans le sens où on a limite plus de comédie. Oui, dans ce combat où on retrouve un Evil Uno en comedy wrestler. Voilà où il va sortir Mr. Soko. C'était super le retour d'un Evil Uno full babyface comme ça, même si encore une fois je trouve la transformation. Le double bisou aussi sur Adam Cole aussi m'a bien fait. Ouais, ça c'était incroyable ça. Le bisou qui est pas fait par les Bucks. Surtout quand on regarde BT, ce passage là, on l'apprécie encore plus si on regarde BT. Mais le regard d'Adam Cole quand il comprend que c'est pas les Bucks, c'était... D'ailleurs, le mec, comment il fait pour savoir que c'est pas Matt et Nick Jackson qui l'embrasse sur la joue? C'est chelou, ça. Non, mais voilà, c'était très, très fun. Très, 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 très fun. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis 3 quarts. Et la super clique qui est... les petits trios, quoi. Chaque semaine, j'ai l'impression que le meilleur match de Dynamite, ou en tout cas l'un des meilleurs matchs de Dynamite, c'est le match des Bucks. Hein. C'est l'un de leurs multiple man mes couilles là, où t'as à chaque fois 3 ou 4 membres de la super clique. Ils te font des trucs, mon gars, c'est trop bien. J'ai adoré aussi, c'est le showing d'Alex Reynolds, je trouve qu'il a eu pas mal de très bonnes offenses dans ce match. Alex Reynolds aussi, c'était bien. Post-match, Jungle Boy vient attaquer The Elite, mais il se fait neutraliser. Il ressort du ring, puis prend une chaise. Il fait fuir l'élite et laisse Brandon Cutler en pâture. Jungle Boy. Jungle l'attaque avec une chaise, puis porte le snare trap, certainement pour envoyer un message. Ouais, on se dirige lentement mais sûrement au Jurassic Express contre Bucks pour Full Gear, et ça va être bien. Ça va être bien. J'aimerais bien une stipulation pour... Quoi comme stipule? Oui.
Je sais pas, mais je sais pas. En fait, c'est ça, en fait, le délire aussi avec les classiques. Bon, je sais pas, juste un Knowles Bard. J'aimerais bien voir plein de matchs en stipu, mais ensuite, quel stipu? Bon, je sais pas, juste un Knowles Bard, enfin, un ODQ, quoi, juste ça, ça serait bien. Ouais. Les images d'Arn Anderson, les images d'Arn Anderson déposant Cody Rhodes à la Rhodes Wrestling Academy sont montrées. Lee Johnson, Brock Anderson et d'autres tentaient de ramener Cody à la dure réalité et le recentrer sur le ring. Malakai l'a bien cherché, dit Arn à Cody. C'est un nom bizarre, en vrai de vrai, mais que j'ai bien aimé. C'était filmé de manière nanardesque. La réalisation était pas bonne du tout. L'acting est pitoyable là, pour les gars du. Ouais. Hormis Brock Anderson, mais Red Velvet, Lee Johnson et Kylan King, mais. Ouf, les gars. Surtout lorsqu'il frappait Cody à tour de rôle, tu vois. Oh, là, là. Donc, non, c'était mal fait, mais dans l'idée derrière, ok. Ouais, le message, j'ai compris, c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais par contre, l'angle, l'exécution de l'angle était mauvais. Ça, ouais, oui. C'était. Bon. On reviendra sur Cody Rhodes qui donc affrontera Malakai Black pour la troisième fois la semaine prochaine. Là, je suis curieux et j'ai un peu peur, pour être honnête. On en reparlera tout à l'heure. Je pense que ça a un fort lien avec ça, mais bon, cet angle, on aurait pu raconter la même chose d'une meilleure manière, parce que c'était vraiment pas bon. Ouais. MJF arrive sur le ring. Pourquoi ? Parce qu'il va affronter Darby Allin, évidemment. Il dit qu'il est là justement pour son match contre Darby Allin. Tu ne t'es pas montré comme un lâche sans trip. Je crois que je t'ai brisé mentalement, Darby, dit MJF. MJF, ensuite, il fait semblant d'être choqué que Darby Allin ait été attaqué sur le parking la semaine dernière. MJF appelle Wardlow et Wardlow amène Bryce Remsburg sur le ring. MJF dit à Bryce de compter jusqu'à 10. Et si Darby n'est pas sur le ring au décompte de 10, MJF devra être déclaré vainqueur. Simple. Il compte. 1, 2, 3. Et puis à 9 ou à 10, je ne me rappelle plus, les lumières de l'arène s'éteignent. Et il commence à neiger. T'as la musique de Sting, évidemment, qui retentit. Il arrive sur le ring. MJF pousse Wardlow vers Sting, qui lui donne un coup de batte dans la tête. MJF sort du ring en courant. Sting dans le ring pendant ce temps-là, qui stère, qui regarde MJF s'enfuir. Si on se dirige sur MJF contre Sting pour builder un MJF Darby, ça serait intéressant en vrai de vrai. Non, je pense pas qu'ils le feront parce que c'est trop risqué. Ouais, ils vont faire de sûr un Darby et Wardlow, enfin Darby et Wardlow, non, Darby et Sting contre Wardlow et MJF, ouais, j'imagine. Mais en vrai de vrai, je suis intéressé de voir un match solo entre les deux, juste pour voir, tu vois. C'est genre l'intrigue, la curiosité, pour le coup. J'ai encore une fois adoré évidemment la promo d'MJF, qui était hilarant, qui dit quoi, Darby a été attaqué la semaine dernière. Je savais pas du tout. Mais ça ne justifie rien, ses actions, pourquoi il se pointe. Non, là, il était encore une fois au-dessus du monde. J'ai pas grand-chose à rajouter, c'est comme chaque semaine, il est extraordinaire. Il est là. Anna Jay est interviewée en backstage par Tony Schiavone. Engagée, un intervieweur, une intervieweuse, s'il vous plaît. Britt Baker interrompt l'interview. Baker traite le Dark Order de perdant. Anna Jay en a assez et frappe Britt Baker. Les deux partent en brawl et l'angle s'arrête comme ça, en brawl. Enfin, qui est séparé. Ouais, ça a été officialisé, je crois, non, le Anna Jay et Britt Baker pour la semaine pro, c'est ça? Pour Rampage de la semaine prochaine. En vrai, ça peut être sympa, ça peut être un bon showing pour le coup, pour Anna Jay. Ça va être cool. Kiera Hogan, ensuite, affronte Penelope Ford dans un match plutôt solide. Penelope Ford va l'emporter en 7-42 avec le Mutalock. J'ai mis 2 étoiles. J'ai pas spécialement apprécié, mais j'ai pas spécialement détesté non plus. Moi, j'ai trouvé que c'était trop long et approximatif. J'ai pas. Bah, en fait, le gros souci que j'ai, c'est la durée. C'est pour ça que j'ai mis 2 et non 2,5. Mais ça m'allait. En vrai, j'étais pas énormément investi dans le combat aussi, donc. Ouais, le public j'en attendais rien. Par contre,
le selling de Jim Ross sur le handspring cutter de Pennafort, mais frère, elle était à deux doigts de le louper. T'as Jim Ross qui le vend. Waouh, mais regardez-moi ça, c'était magnifique. Ouais, il fait tout le temps ça. Les vieilles habitudes WWE. Ah, on n'a pas vu la même move. Hein. Post-match, Rubisso prend sa revanche de Rampage en attaquant Pennafort. Ali vient sur la stage pour aider Ford pendant que So demande aux deux de revenir dans le ring. Voilà, c'est dirigé vers un programme. Ali Penelope contre Rubisso et quelqu'un. J'espère Krista Thunder ou Rio, les gars, parce que quand même. Bah, c'est surtout pour le tournoi TBS. C'est vrai. Enfin, où les braquettes seront annoncées. Oui. Je suis con. Le pire de ça, j'ai dit, attends, mais j'allais réfléchir, mais attends, pourquoi il n'y a ni Chris ni Riho? Puis je me suis souvenu d'un truc, Riho est actuellement au Japon, elle tourne avec TJP. Putain de merde. Arrêtez, les gars. Mais ouais, oui, TBS. C'est incroyable. Le bracket du TTBS sera, du tournoi pour le TTBS sera annoncé la semaine prochaine, donc nos craintes de le voir débuter qu'en janvier, non, ce sera, je pense, la finale en janvier. Et, Putain, mais ça va être long. Ouais, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas, peut-être genre le Emulator 8 ici, 8 au Japon, peut-être refaire ce truc-là. C'est pour moi la seule façon pour qu'ils étendent ça le plus possible. Parce que je vois pas, on est à peine... Là, on règle qu'on est le 17 octobre. Ça fait encore 2 mois, hein. 2 mois et demi même. Donc, ouais, chaud. Enfin, bref. Vidéo promo ensuite de Miro. Miro n'est pas sûr de ce qui lui a fait perdre le titre TNT. Il pense que son dieu s'est retourné contre lui car il a reçu un corps de granit et un coup en sable. Miro sera soit un champion de dieu, soit un ennemi de dieu, et il est temps de détruire. Il n'a pas vu sa femme depuis qu'il a perdu le titre, et il ne le fera plus jusqu'à ce qu'il soit nouveau le champion préféré de dieu. Ok. Shit, on est sur une feud Miro contre Dieu, putain de merde. Ramenez Lana là, parce qu'il fait que parler de sa femme, ramenez-la au manager de Miro quoi. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il verra plus sa femme jusqu'à ce qu'il redevienne le champion préféré de Dieu. Est-ce que c'est à partir de là qu'ils vont essayer de teaser ramener Lana? Je sais pas. Mais c'était bizarre comme proche. Bon, c'est les promos de Miro, comme d'habitude, quoi. Ouais. Interview in-ring Diamond Page par Tony Schiavone. 13 novembre. C'est ta chance de devenir le champion du monde AEW à full gear contre Kenny Omega, dit Schiavone. Quand moi et mes amis avons quitté Ring of Honor et New Japan, je croyais que nous pourrions changer le monde. Mais je pense que cela nous a changé. Je vous avais dit que je serais le premier champion du monde AEW. Et j'ai perdu contre Chris Jericho. Ensuite, j'ai perdu contre Pac. Et puis, j'ai eu l'impression d'avoir perdu beaucoup plus. J'ai perdu ma confiance, j'ai perdu mes amis, et honnêtement, j'ai eu l'impression de me perdre moi-même. La seule chose que je n'ai pas perdue, ce sont ces gens qui scandent Cowboy Shit chaque semaine. C'était très réel pour moi. Avec Cowboy Shit, je me suis fait de nouveaux amis, et j'ai risqué ma peau pour eux. Quand vous tombez, vous vous remettez en scène, et vous continuez votre chemin. Pour moi, c'est ça, Cowboy Shit. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure, ni un voyant. Je ne vais pas prédire comment Full Gear va se terminer pour moi. Je pense que vous croyez tous en moi. Et pour la première fois de ma vie, je crois en moi également. À Full Gear, je vous donnerai mon cœur, mon âme, mon sang, ma sueur. Et j'en suis sûr à 100% qu'à Full Gear, je donnerai du Cowboy Shit. Dit Hangman Adam Page. Alors autant j'aime pour revenir vite fait sur la promo de Miro, tu vois, j'aime bien c'était surprenant je trouve les promos de Miro. Je suis surpris qu'il soit bon en promo et je les aime bien, et c'est un peu pareil pour Adam Page qui m'a surpris dans la qualité de sa delivery où il va réussir à parler avec le cœur. La promo est extraordinaire et bon, je sais pas si on a besoin de rajouter grand chose quand on a un programme comme ça. On a beaucoup parlé de Omega contre Hangman Page, mais cette promo elle ne fait que ajouter du capital sympathie pour Hangman Page, cette envie qu'on a de le voir enfin devenir champion mondial. C'était très pertinent, très bien écrit, très bien raconté par Hangman Page. C'était absolument ce qu'il fallait faire, quoi. C'était nécessaire de faire, je trouve, cette promo là.
Donc non, c'était vraiment super. Et c'est, je pense, la meilleure promo qu'Hangman Page ait jamais sortie. Oui, bon, après, il en a pas sorti beaucoup. Il en a pas sorti des masses, c'est vrai, mais en termes de promo, pour justement donner de la sympathie à un personnage, je trouve que c'était parfait. Vraiment. C'était super. Et ce que j'ai adoré aussi dans cette promo, c'est que c'est pas une promo classique dans le sens « je vais gagner, je vais faire ça pour le peuple, je vais faire ça pour moi ». Non, le mec n'est même pas sûr de gagner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se donner à 100% et peut-être gagner. C'est ça aussi la pertinence, parce que il sait très bien qu'il rentre, mais pas dans le meilleur des mentales, tu vois. Il ne rentre pas dans le sens « je vais tout gagner, je vais tout fracasser », non. Il va juste se donner à 100%, comme n'importe quel autre jour, et espérer avoir un résultat positif. Parce que les autres fois où justement il dit « je vais gagner », il a perdu. Et non, c'était fort, c'était une très très bonne promo. Damien Page, c'était super. Franchement, c'était super. Main event de la soirée. Bryan Danielson affronte Bobby Fish dans un match super technique. Enfin, dans un super match technique, pardon. Bryan Danielson va l'emporter en 12-28 avec le heel hook. Sur un très bon travail de jambes avant, mais sur un heel hook qui a fait tout son sens ici. Non, j'ai trouvé ça encore une fois très bon. Un excellent combat qui... J'ai peut-être trouvé la hit de Bobby Fish un poil long, si je dois y mettre une petite critique, mais voilà, sinon c'était un excellent combat. Tu vois, un bon 3-3 quarts. Moi, j'ai hésité entre 3,5 et 3-3 quarts pour le coup. J'ai trouvé ça vraiment super et vraiment du très bon catch quand même sur ce Dynamite. Quoi. Ouais, non, mais sur les deux jours là, qu'on a eu Rampage et Dynamite ainsi que le buy-in également, on a eu du catch pur, en vrai de vrai. On a eu du très bon catch et étonnamment du catch pur qui était intéressant. En même temps, on a eu du Bryan Danielson back-to-back. Tu m'étonnes que c'est bien. Post-match, AEW nous révèle les catcheurs, les 8 noms du Eliminator Tournament, avec aussi du coup les 4 quarts de finale. Et je vais les dire, les affrontements en quarts de finale. John Moxley, sans surprise, affrontera 10 du Dark Order. C'est vrai qu'il a sa place, ce fils de pute. Il m'énerve. J'en ai marre. Qui apprécie 10? Est-ce qu'il y a des fans de 10? Est-ce qu'il y a un mec qui a dit putain, j'aime bien 10? Negative one. Ouais, super. Mais non, mais c'est pitoyable. De mettre 10 dans ce tournoi, donc, qui est pour une chance au championnat mondial. Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars? Je sais. C'est même pas pour le mettre en avant. Qui veut voir ce gars être mis en avant? Il a rien. On a vu des combats de 10. On a vu la chance qu'il a eu au championnat TNT contre Darby Allin. On a vu. Dites-moi que ce sera un squash que Moxley va mettre 10 secondes à le battre. S'il vous plaît, quoi. Putain, mais qui il est nul, ce gars? Le gagnant. C'est le pire catcheur du roster. C'est le pire catcheur du roster. Le gagnant de ce combat va affronter le gagnant de Powerhouse Hobbs contre Orange Cassidy. Ok, les deux sont legit. Faut savoir que le premier combat de Will Hobbs sur Elite Wrestling, oui, c'était le squash, non, contre Orange. C'était à Dark le 7 juillet 2020. Oui. En 13 secondes, Orange Cassidy avait battu Will Hobbs. Et donc ce combat-là sera la semaine prochaine à Rampage. Et de l'autre côté du bracket, Dustin Rhodes va affronter Bryan Danielson. Allez, on va aller voir hein, Dustin Rhodes, ce qu'il a fait ces derniers temps pour mériter d'être dans ce tournoi. Attends, laisse-moi te dire ce qu'il a fait. Voilà. Voilà. Dustin Rhodes bat Gustavo, Dustin Rhodes bat Quitty Marshall, Malakai Black bat Dustin Rhodes. Donc le mec a perdu son dernier combat télévisé, parce qu'après c'est Dark. Il bat Aaron Solo. Sa dernière victoire télévisée, c'était le 4 juin 2021 contre Nick Comoroto dans le Bullrope match. Et après, j'aurais aucun doute sur la qualité, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre là, Dustin? Non, mais c'est...
Dustin Rhodes et Ten. C'est quoi le dernier? Bon, le dernier match est legit. Et le gagnant de ce match-là affronte Lance Archer. Le gagnant du match entre Lance Archer et Eddie Kingston. Donc il y a Dustin Rhodes et Ten, mais il n'y a pas Adam Cole. Mais il n'y a pas. Allez, on va faire la liste. Hein. Mais il n'y a pas. Punk. Attends. Je vais faire, tu sais quoi, dans l'ordre. Mais il n'y a pas. Même Brian Cage. Allez, Brian Cage mérite bien plus. Enfin, ce serait beaucoup plus logique. Non, à ce compte-là, foutez Ricky Starks, les gars. Chris Jericho. Christian. Oui. CM Punk. Oui. Même Cody Rhodes. Même Daniel Garcia. Darby Allin. Même Ethan Page. Scorpio Sky. Même s'ils sont occupés, je m'en bats les couilles. Là, je vous fais la liste des gens qui mériteraient plus. Déjà, lorsque tu dis que Scorpio Sky mérite plus qu'un autre, c'est qu'il y a quelque chose. Je crois, tu vois. Jungle Boy. Là, je regarde, hein, je fais dans l'ordre chronologique, dans l'ordre alphabétique. Alphabétique. Pardon. Matt Hardy, même Matt Hardy, je suis désolé. Même Miro. Surtout que ça aurait été un Miro super final de terminer la feud avec Orange Cassidy contre Matt Hardy au premier tour, tu vois, dès là. Comme ça, t'en finis une bonne fois pour toutes. Bon, après, je voulais pas Matt Hardy dans le tournoi, mais ce serait plus logique. Miro, MJF, Malakai Black. Même Minoru Suzuki est plus legit, quoi, putain. Mais ouais, Malakai Black, Pac, Andrade. Oui, j'avoue, putain. Ricky Starks. Alors, Ricky Starks, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est vraiment le nom. Je comprends pas. Et même Sean Spears, quoi. Même Sean Spears. Wardlow. Bon, bref. Mais il y a Dustin Rhodes et Ellis. Alors, ils vont perdre au premier tour. J'entends. Mais c'est pas un tournoi à 16. C'est un tournoi à 8. C'est ça. Ça n'a. Ça aurait été un tournoi à 16. Sens. Ça aurait été compréhensible, tu vois. Ah oui, même normal. Oui, aucun problème. Là, c'est un tournoi à 8. C'est honteux. Vous m'entendez? Honte. Dustin Rhodes. Sa dernière apparition télévisée, c'est contre Malakai Black. Il perd. Et sa dernière victoire télévisée, c'était donc celle avant Malakai Black. Donc le gars, depuis le 4 juin, il a fait 2 apparitions télé, dont une défaite. C'est ahurissant. On va voir les apparitions télé maintenant de 10. alors, Lance Archer et Eddie Kingston. Bon, du coup, on reprend un petit peu le programme. Ouais. Donc ça, ok. Orange Cassidy, Powerhouse, Hobbs, on leur place. Très bien. Ça, j'entends. John Moxley, Brian aussi, mais... Oui, oui, pas de souci là-dessus. Maintenant, allons voir Ten. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Dynamite. Il gagne le 8 contre 8, là. Avec le Orange Cassidy et le Dark Order contre la HFO. Ok. Dark. Il n'y a que du Dark. Dark. Putain, c'est fou. Dynamite 88. Faut remonter au... Bah, pareil, 5 juin. Mec, c'est énorme. C'est pas le match contre Darby? Non, c'est le Dynamite suivant le Dustin Rhodes et Komoroto, donc le Dynamite du 11 juin, le Friday Night Dynamite du 11 juin. Adam Page et Ten battent la Team Taz, Brian Cage et Hobbs. C'est incroyable. Incroyable. Il a eu pareil, 2 combats depuis le 4 juin, 2 combats télévisés. Dont... Ah non, lui il a 2 victoires, mais bon, c'est des tag match. Dont un 8 contre 8. Bon. C'est ahurissant. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, je comprends pas. Le bracket est extrêmement décevant. Et je comprends que c'est pour donner un sens au Bryan Danielson contre John Moxley, qui sera à la finale de ce tournoi et que Tony Khan veut apparemment faire. Bon, pourquoi pas, et c'est pour donner un sens sans en faire de storyline. J'entends. Mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres participants logiques. Parce que Preston Vance et Dustin Rhodes n'ont rien à faire dans ce tournoi. Demain, tu lances un nouveau titre mineur, ils n'ont même pas leur place dans ce tournoi-là. C'est ça. C'est ahurissant, la présence de Dustin Rhodes et de Ten. C'est incompréhensible. Et c'est un bracket finalement très décevant. Lance Archer et Eddie Kingston, ça va pas être bien dans le ring. Je suis curieux, j'espère que Lance Archer va gagner. Pour voir Lance Archer contre Brian Danielson. Après, il y en a, ils disent, ils veulent voir Eddie Kingston contre John Moxley en finale. Non. Pour voir le heel turn de Moxley. Pff, n'importe quoi. Bon, allez, ça, non. Bon. Ça sera Mox Bryan, c'est tellement obvious, mais. Alors, justement, ce tournoi, Orange Cassidy, Powerhouse, hop, ce sera la semaine prochaine à Rampage. On aura également Britt Baker contre Anna Jay, ce sera pas pour le titre. Et Pac contre Andrade El Idolo 2.
Dans cette mode, apparemment, maintenant chez Holy Tracing, on fait plein de rematchs. C'est un truc qu'ils faisaient jamais avant et maintenant ils en font. Ils ne s'arrêtent plus, puisque la semaine prochaine, à Dynamite, toujours dans le tournoi, donc Lance Archer, Eddie Kingston et Dustin Rhodes, Bryan Danielson. Ça, ce sera la semaine prochaine à Dynamite. Donc il restera que le John Moxley 10. Peut-être dans 2 semaines. Et Aleister Black. Non, il y a marqué Aleister Black sur le site. Non, ce n'est plus Aleister. Malakai Black contre Cody Rhodes, numéro 3. Et ça, ça peut être un tournant dans l'histoire de Cody Rhodes et dans l'histoire même d'Holy Elite Wrestling. Est-ce que. Je suis bizarrement pas si inquiet que ça parce que. Même si Malakai perd, je me dis ça que. Ça avance la story Cody Rhodes en fait. Ce sera fait et il y aura de l'overbooking et il y aura un truc derrière et. Il y aura forcément de l'overbooking. Le match va pas être clean. On sait que la semaine prochaine, on a notre réponse sur ce que va devenir Cody Rhodes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je suis assez impatient là-dessus. Ouais. Donc. Voilà pour ce AEW Pod. On sait que la semaine prochaine ce sera pareil. Vendredi soir Rampage et samedi soir Dynamite. Et c'est pas la semaine prochaine qu'on est sur le Jericho Cruise ? Si, je crois. Parce qu'ils ont rien. Tu sais, l'année dernière ils avaient fait des petits graphiques spéciaux, des trucs comme ça. Là je vais aller vérifier si c'est bien la semaine prochaine sur le Jericho Cruise. Enfin non, c'est pas la semaine d'après. Parce que oui, la semaine prochaine il y a le Jericho Cruise, mais c'est pas la semaine d'après le Dynamite. Comment Jericho ça Cruise. Le Dynamite de Jericho Cruise. Oui. J'allais vérifier ça. Parce que là, je sais pas. Tac. Donc, le programme de la semaine prochaine, ouais, c'est dit. On n'a pas les ratings, hein, du coup, forcément. Hop. Donc, Dynamite. Ouais, non, on sera à l'Addition Financial Arena à Orlando, en Floride, la semaine prochaine. Donc, non, c'est Boston, Massachusetts, dans l'Aganis Arena, dans 2 semaines. Non, c'est la semaine d'après, non ? Non, dans 2 semaines, c'est ça. Est-ce que c'est pas. Non, là. Non, attends. Il n'y a pas de Dynamite sur le Jericho Cruise. Rampage, peut-être ? C'est non, quoi. Ben, non, c'est pas Rampage. Bon, ben, je sais pas. Apparemment, il n'y a pas de Dynamite sur le Jericho Cruise. Bon, c'est. Bon, je sais pas. Peut-être dans 2 semaines. On verra, en tout cas. Je sais pas du tout. On aura les news, je pense, bientôt. Alors, je sais pas quand ce pod sera sorti, si dimanche soir ou lundi. Moi en tout cas je vous dis la semaine prochaine ce sera pareil puisque donc on a le Dynamite une nouvelle fois samedi soir, donc ça nous laisse forcément peu de temps. Merci à toi JMD, on se retrouve la semaine prochaine et bye tout le monde, prenez soin de vous et passez une bonne semaine.